peu marre que je vais mettre dans la... Je sais pas si c'est une bonne référence. Hop. Elle est déjà branchée en plus. Alors comment ça se met? Ouais. Ok. C'est pas hyper pratique. À mon avis. Vous avez une prise qui traîne, non ?
La classe. Ok, vous m'entendez ? Ah ouais, ça a l'air de pas trop mal marcher. Eh ben bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour venir discuter de pourquoi les événements sont importants. En tout cas, c'est de ça que je vais essayer de vous convaincre pendant 50 minutes. Justement, pendant ces 50 minutes, peut-être un petit peu moins parce qu'on a pris un peu de retard technique, mais c'est pas très grave. Ça m'arrange même en fait. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'interrompre si vous pensez que je raconte un peu n'importe quoi ou que c'est pas cohérent ou que vous comprenez rien. N'hésitez pas à m'interrompre, voilà, parce que des fois je suis un peu dans mon monde, on va dire. Et donc voilà, si c'est pas très clair, faut pas hésiter à m'interrompre, à poser des questions, à me challenger, ça me fait plaisir et on est là pour échanger. Et donc surtout, n'hésitez pas. Donc, je m'appelle Emilien, je viens de Lyon, j'appartiens notamment à un groupement de freelance qui s'appelle Dev Lyon. J'essaie de lancer une entreprise en ce moment qui s'appelle Alter Coding, qui aide des personnes qui voudraient devenir freelance à devenir freelance, en essayant de lever un petit peu les barrières à l'entrée. Mon pseudo c'est Wardy, je l'écris beaucoup plus que Emilien en général, et du coup vous pouvez me trouver sous ce pseudo sur mon blog et sur Twitter. Bon, donc passons aux choses sérieuses. Avant de parler d'événements, j'aimerais vous parler de qu'est-ce qui m'a amené à avoir une approche métier et ensuite une approche événementielle. Quand j'ai commencé à bosser, en fait, j'étais très orienté, de par mes études et de par les premiers boulots que j'ai faits, par le RAD. Donc le RAD, c'est le Rapid Application Développement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont la chance de ne pas connaître. Le RAD, en gros, c'est des choses comme MS Access, comme 4D qui est une boîte française, d'ailleurs. Et le principe du RAD, c'est de dire, un logiciel, c'est jamais qu'une base de données. En fait, ce que veulent les utilisateurs, c'est pas vraiment un logiciel. Ce qu'ils veulent, c'est une base de données dans laquelle ils peuvent faire des create, des updates et des delete. Et finalement, si on leur donne ça, avec des formulaires au-dessus quand même, parce qu'il faut bien une interface graphique, mais si on leur donne ça, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout ce qu'il faut et il n'y a pas plus compliqué que ça pour faire un logiciel. Il n'y a pas à faire des choses plus compliquées que ça. Donc ça, c'est vraiment l'approche RAD qui est vraiment très centrée sur la data. Et il faut bien comprendre que moi, dans une des premières boîtes que j'ai rejoint, dans la boîte qui a racheté la startup que j'ai rejoint quand j'ai commencé à bosser, ils ont eu cette approche pendant 15 ans et le directeur technique, il a construit tout un SI pour gérer des cliniques, donc c'est pas un truc trivial non plus, enfin pour gérer des cabinets de radiologie exactement. Et il a réussi à monter sa boîte avec ça, et il a plus de 300 clients en France, et ça fait 15 ans que sa boîte elle tourne. Et donc pour moi c'était vraiment une preuve technique que c'était faisable, quoi, que effectivement avec un RAD on pouvait montrer un vrai business et arriver à faire des choses. Simplement, donc, tout son business était basé sur 4D, et donc à un moment donné il s'est dit, 4D c'est superbe, je sais pas, qui connaît 4D dans la salle là ? Voilà. Donc en gros, ça explique pourquoi il a voulu quand même changer de techno. Et du coup, il s'est dit, on va faire un truc un peu plus hype, un peu plus moderne, on va faire du .NET. Et moi, comme je faisais du .NET, et ben, voilà, on était dans une des boîtes qui s'est fait racheter pour faire ça en .NET. Donc ils ont changé la techno, mais ils n'ont pas du tout changé l'approche. Ils se sont dit, le RAD, ça marche bien, le CRUD, ça marche bien, donc on va continuer à essayer de faire la même chose. Donc ils étaient même hyper ambitieux, ils se sont dit, on va carrément refaire un moteur de base de données en .NET. Avec la génération de formulaires qui va bien et tout, pour avoir un équivalent de 4D ou de MS Access, mais complètement développé en .NET et dont on serait propriétaire. Donc ça a pris 3 ans avant qu'ils puissent mettre quoi que ce soit en production. Nous, on a été rachetés en fait la 3e année, et donc on a été embauchés en gros pour générer, enfin pour essayer de créer ces fameux formulaires par-dessus le simulacre de base de données qui du coup fonctionnait très mal. Et donc ça a été une douleur atroce, et on est quand même allé en production, et là ça a été une douleur atroce, mais pas pour nous, pour les utilisateurs, du coup le cabinet n'a pas pu fonctionner pendant un week-end, ça a été un échec retentissant pour l'entreprise, pour le client, pour tout le monde. La boîte en gros a dû perdre dans les 1 million avec cette connerie, entre l'investissement en R&D pendant 3 ans, bon, déjà 3 ans avant d'aller en prod, je le souhaite à personne, c'est un truc, c'est horrible, quoi. Forcément, après, en plus, on en a tellement fait qu'on se dit, mais non, on ne va pas le jeter à la poubelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rattraper ? Et du coup, on continue à mettre des couches, voilà. Bon, bref, ça a été la grosse merde. Moi, j'ai démissionné à peu près à ce moment-là.
pour des raisons diverses et variées, mais parce que je l'avais quand même pas mal senti venir et que je savais qu'il y avait des alternatives. Et en gros, je me suis quand même vraiment, par rapport à cet échec, posé la question, reposé la question, même si on m'avait déjà donné la réponse, on m'avait dit « Non, mais en fait, on ne fait pas du logiciel, on fait de la base de données, les utilisateurs veulent de la base de données. » Et je me suis reposé la question, je dis « Non, mais franchement, pourquoi on fait du logiciel ?» Non, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est plutôt pour automatiser des processus métiers. L'utilisateur, finalement, il s'en fout de la base de données. Il n'a pas envie de faire des creates, des updates et des deletes. Et ça, c'est jamais qu'une contrainte technique qu'on lui impose, parce que nous, pauvres développeurs, on n'est pas capable de gérer son problème métier autrement qu'avec une base de données. Mais il faut bien comprendre que lui, il a un métier qui ont des processus. Donc, par exemple, dans la radiologie, leur processus, c'est d'avoir des patients qui arrivent dans la salle, qu'il faut accueillir, il faut gérer la carte vitale, la facturation, sur quel appareil ils vont passer un scan, etc. Et eux, c'est ça leur métier. C'est en aucun cas de mettre à jour des bases de données. Et du coup, en repensant un petit peu à toutes les discussions que j'avais eues pendant des années avec des gens qui avaient cette approche RAD et moi qui avais essayé de me convaincre qu'effectivement c'était la bonne approche, etc., je me suis dit, bah oui, mais il est où le métier? Dans une approche RAD, il est où le métier? On a une base de données, on a des formulaires. Où est-ce qu'on met les règles métiers? Typiquement, les règles de facturation bien pourries là, parce qu'il faut gérer la complémentaire, la mutuelle, la sécurité sociale, la part patient éventuellement s'il n'est pas assuré. Enfin, toutes ces règles à la con, qui sont des pures règles métiers, qui se tapent tous les jours, où est-ce qu'on les met? Bon, concrètement, je vous le dis, on en met un peu partout. C'est ce qui fait que c'est vraiment la merde rapidement, en fait. Alors, on en met un petit peu dans l'UI, on en met un petit peu dans la base, on en met dans des procédures stockées, on en met un petit peu où on peut, et là où on pense que c'est le mieux, mais quand c'est pas défini, c'est franchement le bordel. Et là, vous allez me dire, eh oui, en même temps, vous étiez un peu con, il suffit de faire des couches et de mettre une couche métier. Alors, je vous le dis tout de suite, les couches, ça va pas vous sauver. En tout cas, moi, ça m'a pas sauvé. Parce que, effectivement, c'est le premier truc que j'ai essayé de faire. J'ai dit, ah, mais oui, c'est vrai, les architectures, en fait, qui sont super bien et super à la mode, c'est les architectures en couches. Donc, il faut mettre une couche graphique, une couche métier, une couche d'accès aux données, et puis une base de données derrière. Alors, j'avoue, c'est mieux. C'est quand même mieux que quand on sait pas du tout où mettre le métier, parce que là, au moins, en théorie, on sait où on doit mettre le métier. Mais en pratique, je ne sais pas, qui travaille avec ce type d'architecture dans la salle? Voilà, à peu près tout le monde. Ce qui est normal, hein, c'est effectivement une assez bonne pratique, a priori. Mais je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'en fait, garder le métier dans cette couche, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que même si on a dit que c'était cette couche, la couche métier, finalement, derrière, elle est quand même dépendante d'une couche d'accès aux données qui est elle-même dépendante d'une techno de base de données. Et donc, on est toujours tenté quand même de mettre un petit peu de règles métiers dans des procédures stockées ou dans l'interface graphique. Et souvent, ce n'est pas volontaire, en fait. Des fois, on se dit, mais non, mais ça, c'est juste une règle UI, ça n'a rien à voir avec le métier. Et en fait, si, quand on réfléchit, derrière, il y a une règle métier. Et du coup, pourquoi, au fait, c'est chiant d'avoir ces archis hyper couplées avec du métier partout? Parce qu'on n'arrive pas à les tester. Et quand on n'arrive pas à les tester unitairement, eh bien, forcément, on a des régressions, et forcément, au moment où on va en prod, c'est la catastrophe, et les clients, ils ne sont pas contents. Donc, ça, c'est mieux que quand on n'a pas du tout de couche métier, mais honnêtement, on n'est pas si loin que ça de l'approche crude, là, en fait, hein, parce qu'on a toujours, d'ailleurs, des logiciels comme ça qui ont quand même une approche crude. Donc, certes, qui ont une couche métier, mais qui vont quand même juste mapper un ORM, et qui vont foutre ça directement dans l'interface graphique, et quand on fait ça, finalement, on peut se foutre de la gueule du RAD, mais en fait, on en est très proche. On a juste rajouté une couche qui convertit une base de données en objet, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose. Donc, c'est mieux, mais on a toujours des dépendances qui font que c'est compliqué d'introduire du métier dans son logiciel. Et donc, un des éléments de réponse se trouve dans le fameux Domain Driven Design, puisqu'en fait, il porte bien son nom, ça veut dire littéralement le design piloté par le métier, quoi. Et le Domain Driven Design, c'est un concept qui a été inventé, porté, conceptualisé, je ne sais pas comment il faut dire, par Eric Evans, qui a écrit ce bouquin bleu en 2004. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il a écrit son bouquin, il parle de cette couche, de ce genre d'architecture, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le truc à faire, quoi. Donc, ce mec-là, il a eu exactement ce raisonnement, c'est-à-dire qu'il a dit, dans nos logiciels, on n'arrive pas assez à faire rentrer le métier. Et finalement, la complexité, il y a énormément de complexité qu'on ajoute dans nos logiciels
qui sont pas du tout liés au métier, qui sont purement techniques, qui sont des problèmes de mapping à la base de données, qui sont des problèmes d'UI. Et ça, c'est pas normal que ça vienne polluer notre métier. Donc, ils proposent un ensemble de solutions, ils proposent des patterns stratégiques, ils proposent des patterns tactiques pour essayer de mettre le métier au centre. Donc, le domaine driven design, c'est pas le sujet de la conf en soi, mais vous allez voir qu'on va souvent y revenir. En tout cas, vu que je trouvais pas trop de réponses pour savoir comment mettre plus de métiers dans mon code, bah moi, je suis allé un petit peu dans ce monde-là, j'ai commencé à faire des confs autour de ce sujet-là et à lire tous les bouquins liés au domaine driven design. Et donc, une des premières réponses en fait qui a émergé récemment sur comment est-ce qu'on met le métier plus au centre de son application, finalement, elle est super simple. Elle consiste juste à dire, au lieu d'avoir un métier qui dépend d'une couche ORM et d'un accès aux données, bah, il suffit que l'accès aux données dépende du métier. Et là, déjà, votre couche métier, vous avez quasiment rien changé, vous avez juste changé un sens d'une relation. Sauf que, du coup, votre métier, là, il est pur. Il ne peut pas être pollué par la base, parce qu'il ne connaît même pas la base, il ne connaît pas la couche d'accès aux données. Et donc, pour l'UI, c'est pareil, mais l'UI, comme on le fait déjà, à la limite, ça nous semble moins bizarre. Donc, juste en inversant cette relation, on est capable de dire, mon métier, il va être vachement mieux protégé qu'avant, et là, du coup, je vais pouvoir écrire des super tests unitaires qui vont tester que mon métier, qui n'ont évidemment pas besoin d'avoir une base de données ou une UI qui est lancée, parce que de toute façon, toutes mes règles métier, toutes mes règles de facturation à la con, elles sont là-dedans. Elles seront en aucun cas ailleurs. Parce que de toute façon, si je les mets ailleurs, je ne pourrais pas les tester. Donc ça, quand on généralise en fait ce concept-là, c'est tous les concepts d'architecture hexagonale, architecture en oignon, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais si vous n'en avez pas entendu parler, je vous encourage à vous renseigner sur le sujet, parce que concrètement, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est par rapport aux archis dont on a l'habitude, on a juste inversé une relation, quoi. Alors après, on met des super noms et des super concepts derrière, mais c'est vraiment que ça. Alors là, vous pouvez toujours vous dire, oui, mais techniquement, je ne comprends pas, parce que du coup, il ne connaît pas la base, donc il ne peut plus rien mettre en base. Ça, c'est vraiment tout con. Hein. Il suffit que votre métier définisse les interfaces avec lesquelles il sait travailler. Et du coup, c'est tous les gens, enfin, tous les modules qui veulent travailler avec votre métier, qui doivent s'adapter et qui doivent implémenter les interfaces de votre métier, et en aucun cas l'inverse. Donc ça, c'est pourtant pas grand-chose, techniquement, mais mentalement, déjà, c'est un gros gap. Ça veut dire qu'on identifie vraiment que le cœur de notre logiciel, ce n'est pas la data, ce n'est pas la base de données, c'est la couche métier. Et donc, on la protège autant que possible et on considère que c'est le cœur et que c'est ça vraiment qui est hyper important et que c'est là-dessus qu'on va mettre le plus gros effort de dev et le plus gros effort de test. Et là, si vous avez bien suivi, vous devriez vous dire, à bientôt faire 10 minutes qu'il parle, il n'a toujours pas parlé d'événements. Moi, j'étais venu pour entendre parler de CQRS, c'est un peu dommage. Alors, je vous rassure, on va en parler un petit peu quand même. Parce que pour avoir une approche métier, on peut faire de l'architecture hexagonale, c'est une bonne première étape, mais on peut faire encore mieux, on peut avoir une approche événementielle. Et pourquoi je pense qu'avec une approche événementielle, on est plus près du métier? Parce que, imaginez, justement, quand vous êtes à découvert, ce que je ne vous souhaite pas, mais en tout cas, quand ça vous arrive, si votre banquier vous appelle en disant « Eh, vous avez 500 euros de découvert », vous dites « Ok, super. » Mais ça ne vous aide pas du tout à savoir ce qui s'est passé ou ce que vous allez pouvoir faire. Vous savez juste que vous êtes à découvert. Par contre, si vous regardez votre compte en ligne et que vous voyez toutes les dernières opérations, vous voyez que vous avez un plus 300, un plus 3000 et un moins 3500. Et si vous vous rendez compte que ce moins 3500 ne vient pas de vous, vous dites « Oula, il y a un gros problème, j'ai dû me faire pirater ma carte ou il y a une grosse merde. » Ou alors, à l'inverse, vous voyez un moins 3500, mais qui vient en fait du service des impôts, et là, vous faites « Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. » Bref, tout ça pour dire que, au lieu d'avoir une approche, au lieu de réfléchir en termes d'état, naturellement, pour un cas qui nous concerne tous, comme la gestion de notre compte en banque, en fait, on n'a pas une approche par état. On a vraiment une approche événementielle. On a besoin de connaître tout ce qui s'est passé dans le passé, et on a un autre besoin qui est fondamental, c'est que tout ce qui s'est passé soit immutable. Parce que personnellement, moi, si le banquier pouvait m'appeler en disant « Ah, ben, votre salaire, là, finalement, il n'est jamais arrivé », ça me ferait un peu chier. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans la gestion des comptes en banque, quand il y a un souci, si on vous prélève de l'argent, par exemple, qu'on n'aurait pas du tout vous prélever, on va tout simplement
vous le remettre sur votre compte. On va faire en fait une opération qui va équilibrer celle qui n'aurait pas dû arriver. Mais on ne va pas prétendre que c'est jamais arrivé. Et donc conceptuellement, ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne raconte pas du tout la même histoire. Quand vous regardez votre compte 10 ans plus tard, vous êtes capable de voir qu'à cette date-là, la banque s'est gourée et vous a prélevé à tort. Alors que si elle avait juste corrigé l'opération, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Et derrière, en termes d'impact, en termes de logique, en termes de fonctionnement métier, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Donc là, j'ai pris l'exemple des comptes en banque. On en prendra d'autres après. Mais petit à petit, je vous invite à réfléchir en fait, aux métiers dans lesquels vous travaillez et justement à essayer de sortir de l'approche pure, état, souvent CRUD, que vous avez certainement, et essayer de réfléchir un petit peu en termes d'événements, en termes de processus. Qu'est-ce qui se passe vraiment d'un point de vue métier, pas d'un point de vue technique, mais utilisateurs, avant le logiciel, la plupart du temps, ils avaient déjà un travail, ils faisaient déjà quelque chose. Le logiciel ne fait que les aider théoriquement à être plus efficaces. Alors souvent, ça a des gros impacts, hein, on en parlait encore dans la keynote, mais n'empêche que la plupart des métiers, avant qu'on leur fournisse un logiciel pour ce métier-là. Et donc, quand vous prenez vraiment ce métier en compte, posez-vous la question de quels sont les événements qu'il y a dedans. Et finalement, qu'est-ce qui est important pour le métier? Et du coup, vous verrez, à mon avis, en tout cas j'attends un contre-exemple, et si vous le trouvez, ça me fera très plaisir d'en discuter avec vous, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé depuis plusieurs années. Je n'ai pas encore trouvé un métier avec un minimum de complexité, où avoir une réflexion événementielle avec le métier n'apportait pas de valeur sur la compréhension en fait, qu'on arrive à avoir avec le métier. Donc on va en parler juste après. Donc, en tout cas, mieux qu'avoir une archi en couche, ou même encore mieux qu'avoir une archi hexagonale, pour mettre du métier dans son code, on peut avoir une approche événementielle. Ça va vraiment vous aider à mettre du métier dans votre code, donc à être plus domain-driven design compliant, si vous voulez. Donc, on va peut-être passer au comment. On va peut-être passer au comment construire un logiciel avec une approche événementielle. Alors évidemment, on ne code pas tout de suite. D'abord, on essaye de comprendre ce qu'on va faire. On essaye d'analyser le problème. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, dès la partie analyse du problème, c'est complètement possible d'avoir une approche événementielle. Notamment avec l'event storming. Alors l'event storming, c'est une méthode qui a été imaginée par notre ami Alberto Brandolini, qui est un Italien fort sympathique, qui est devenu plus ou moins célèbre pour cette citation. L'énergie nécessaire pour réfuter une connerie est largement supérieure à l'énergie nécessaire pour la produire. Il est devenu plus ou moins célèbre pour cette citation parce qu'elle a été reprise par Snowden, justement, qui explique du coup pourquoi les gouvernements continuent à mentir, parce que finalement, c'est toujours compliqué de prouver qu'ils ont menti. Quoi qu'il en soit, notre ami Alberto, il a imaginé cette méthode qui s'appelle l'event storming, qu'on était venu d'ailleurs présenter à BDX.io l'année dernière en atelier, et à Mixit aussi cette année. Et l'event storming, c'est jamais qu'une méthode d'échange d'informations, mais orientée autour des événements. Donc en gros, à la base, vous pouvez voir ça comme une réunion entre tous les membres de l'équipe pour définir comment on va faire le logiciel, ou plutôt pourquoi on fait le logiciel d'ailleurs. Simplement, c'est un petit peu formalisé, c'est un petit peu organisé avec des post-it, parce que voilà, c'est un petit peu émergé des méthodes agiles, donc il fallait qu'on mette des post-it. Et le premier truc à faire, c'était de mettre des post-it orange, parce qu'il y a peu de méthodes qui utilisent des post-it orange. Donc, très important de prendre des post-it orange et de commencer à imaginer tous les événements importants qui ont lieu dans notre processus. Donc c'est un petit peu la question que je vous posais juste avant. On va prendre un exemple. Vous travaillez chez Amazon, comme tout le monde, et du coup, vous avez une réunion avec les business analysts, les testeurs, les chefs de projet, même des utilisateurs que vous avez trouvés dans la rue. Vous êtes tous dans la même salle, donc normalement, il y a au moins une petite dizaine de personnes, suivant la taille des projets. Et la première question à se poser, c'est, bon les gars, c'est quoi vraiment l'événement métier, le processus qui nous fait gagner de l'argent ? Donc en général, chez Amazon, je dirais que c'est un truc du genre le produit est acheté. Voilà, ok. Donc on va prendre un post-it, on va écrire le produit est acheté. C'est un événement métier, c'est au passé puisque c'est un événement. On va le coller sur un grand mur blanc, parce que blanc et orange, du coup, c'est joli.
Et on va le mettre au centre et on va dire « Ok, donc ça, c'est mon événement central. » Et maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe en amont d'un point de vue process, donc d'un point de vue événement, et qu'est-ce qui se passe en aval. Et on va essayer comme ça de reconstruire toute la chronologie de la user story ou du projet, ou peu importe d'ailleurs, parce qu'on peut avoir différents niveaux de granularité. Moi, je l'utilise souvent pour des user stories, donc on va dire pour une user story. On va se poser la question de « Ok, ça c'est l'élément central, à un moment donné, le produit est acheté. Qu'est-ce qui se passe avant ?» Eh ben avant, il y a sûrement des notions d'un utilisateur qui fait des recherches dans un catalogue, un produit est ajouté au panier, un produit est supprimé du panier, une promotion est appliquée, je ne sais pas, on peut imaginer plein de trucs. Ensuite, l'utilisateur paye, et en aval, il y a encore plein de trucs, parce qu'il va falloir gérer la commande est préparée, la commande est envoyée, la commande est remise à je ne sais pas qui. Bref, donc il y a plein d'événements avant, il y a plein d'événements après. Donc, après une petite heure de réunion, en général, on a un grand mur couvert de post-it orange. Et ça, déjà, juste ça, ça a énormément de valeur. Il faut essayer de le faire pour bien le comprendre. Ou plutôt, il faut essayer de le comparer aux réunions que vous avez sans doute déjà pour essayer justement de décrire des user stories. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, en général, ça se passait de la façon suivante. On avait donc notre business analyst qui avait un Excel projeté sur un tableau. Et puis, on avait 7 ou 8 développeurs sur le bureau, comme ça. Voilà. Pendant environ 25-30 minutes, jusqu'à ce que on ait eu suffisamment de oui-oui pour faire l'implémentation. Donc il y avait vraiment très peu d'échanges, c'était plus une cérémonie en fait, qui donnait lieu à aucun échange. Et là, le fait de vraiment mettre les choses visuellement, ça permet un échange beaucoup plus pratique, beaucoup plus naturel, parce qu'on a vraiment désigner les choses avec ses mains, on va les déplacer dans le temps, on va dire mais non, ça en fait c'est arrivé avant ça, et puis ça c'est pas exactement ça, puis là tu as utilisé ce mot là, mais en fait c'est pas vraiment ça qu'il faut utiliser. Et donc l'échange est vraiment très riche, et ça permet vraiment de construire une vraie compréhension du problème. J'insiste sur le fait qu'on est vraiment dans la notion de compréhension du problème, et en aucun cas dans le fait d'imaginer des solutions. Et ça c'est fondamental aussi. Et donc on est en train d'expliquer le problème à tout le monde, à toute l'équipe, pas juste au business analyst ou au chef de projet, on dit que tout le monde, y compris les développeurs, doivent comprendre ce qui se passe d'un point de vue métier et pourquoi on fait les choses. Et une fois qu'on a mis les post-it orange, on en met plein d'autres, parce que plus il y a de colis, plus il y a de couleurs, plus c'est joli. Et donc on commence par les commandes, parce qu'en général, nos événements ils sont déclenchés par quelque chose, des commandes donc. Et puis une commande peut déclencher plusieurs événements, ou alors un ensemble de commandes peut déclencher un seul événement, bref. Donc par exemple, qu'est-ce qui déclenche le fait que le produit est acheté? Une commande acheter produit, sans doute, quelque chose dans ce goût-là. Donc on colle des commandes, on colle des événements. Et ensuite, on fait des regroupements par agrégat, par concept, parce qu'en fait, on se rend rapidement compte que nos événements et nos commandes, souvent, ils orbitent autour d'un concept. Par exemple, on va voir pour Amazon, on verrait sûrement apparaître le concept de produit, le concept de commande, le concept d'utilisateur, ce genre de choses. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec un concept, par exemple, je ne sais pas, panier. Et ce panier qui a une commande ajouter produit et qui a un événement produit est ajouté, par exemple. Mais qui a sans doute d'autres commandes, comme pouvoir supprimer un produit, pouvoir appliquer une promotion sur le panier, voilà, ce genre de choses. Bon. Mais l'event storming, on ne va pas y passer des heures dessus, parce qu'en fait, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et que du coup, il vaut mieux le pratiquer en atelier ou vous enseigner à côté si ça vous intéresse vraiment. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de vous parler des méthodes que vous parler de pourquoi est-ce qu'on met ça en place et qu'est-ce que moi, ça m'apporte d'un point de vue métier quand je le mets en place. Ça apporte avant tout un langage commun. Le langage commun, c'est fondamental. C'est le fait d'écrire vraiment les mots sur le mur et de dire on ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans le langage. On veut être capable de tous parler du même problème de la même façon. Rien que ça, c'est un travail phénoménal. Si vous avez deux mots dans le code qui désignent plus ou moins le même concept, c'est le début de la fin. Parce que du coup, comment ça se passe après? Quand il y a un expert métier qui vient vous parler d'un problème, pour retrouver ce problème-là dans le code, forcément c'est le bordel. On a besoin de jongler à chaque fois, on a besoin d'imaginer, de reconstruire dans sa tête tous les impacts qui font qu'on est capable de comprendre ce qui se passe. Donc tout le monde, de l'expert métier au développeur en passant par le testeur, doit avoir un langage commun, un seul mot pour désigner une seule chose. Et même si d'un point de vue métier, il y a plusieurs mots pour désigner une chose, il faut se mettre d'accord pour en garder un seul.
Et surtout, on met en place un partage de connaissances. Donc là-dessus, j'insiste, et encore, notre ami Alberto qui a fait une belle citation là-dessus, quand il dit « c'est la compréhension du développeur, pas votre savoir qui devient le logiciel », c'est hyper intéressant. Ça veut dire que si vous êtes un expert métier ou que vous avez une entreprise et que vous voulez faire un logiciel et que vous pondez des specs épaisses comme ça, c'est une grosse connerie parce qu'en fait, vos specs, elles seront jamais suffisamment détaillées pour un développeur. En fait, pas pour un développeur, pour une machine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la spec suffisamment détaillée pour qu'une machine puisse l'exécuter, c'est le code. On est tous d'accord. Donc la spec extrêmement détaillée, c'est le développeur qui l'écrit. Donc vous, si vous essayez de passer du temps à réécrire une spec extrêmement détaillée, en fait, vous faites doublon. Vous essayez de lui enlever sa capacité de réflexion, sauf que ce sera jamais suffisamment détaillé. Donc il sera quand même obligé de prendre un certain nombre de décisions. Et si vous ne lui avez pas expliqué le pourquoi du comment, il y a des chances que ces décisions ne soient pas les bonnes, tout simplement. Et donc, ça peut avoir des gros impacts en termes de perf, donc en termes de finances, en termes de métier, bref. Forcément, quand on ne sait pas exactement pourquoi on fait les choses, et ben quand on est amené à prendre des décisions, ce qui arrive nécessairement, même quand vous avez des specs comme ça, on risque de prendre la mauvaise, puisqu'on va prendre des décisions plus ou moins arbitraires, surtout si on n'a pas l'habitude d'aller discuter ou challenger les experts métiers. Mais donc, à partir du moment où vous avez un langage commun et un vrai partage de la connaissance, il n'y a pas que l'event storming dans la vie. Voilà, l'event storming, c'est une approche événementielle d'analyse du problème qui permet facilement d'introduire du métier dans son code. Mais si vous arrivez au même résultat avec d'autres méthodes, tant mieux. Mais en tout cas, cette notion-là de partage de connaissances et d'oublier la hiérarchie qu'on voit souvent se mettre en place, comme on le disait encore ce matin à la keynote, avec des gens qui sortent de Sciences Po qui utilisent des développeurs, non, on veut vraiment sortir de ça, on veut une vraie collaboration, et c'est ça qui crée vraiment de la valeur. Donc maintenant, que ça va faire 20 minutes que je parle et que je n'ai toujours pas parlé de CQRS, on va peut-être pouvoir commencer à rentrer un petit peu plus dans la technique, parce que oui, ça a des impacts au niveau fonctionnel, et d'ailleurs, je vous invite à avoir ces approches d'un point de vue fonctionnel sans même essayer de faire du CQRS ou de l'event sourcing, parce que ça va déjà créer de la valeur en termes d'échange avec votre métier. Mais effectivement, en plus, quand on a cette approche, on peut avoir dans le code une approche événementielle. Et une approche événementielle dans le code, ça peut se traduire de deux façons. Ça peut notamment se traduire avec du CQRS et de l'event sourcing. L'event sourcing, c'est quoi? Vous risquez d'être déçu, d'ailleurs, si vous êtes venu là pour entendre parler de CQRS et d'event sourcing, parce qu'en fait, c'est tellement simple que ça risque de passer très vite. Alors, profitez-en pour poser toutes vos questions. L'event sourcing, c'est un agrégat. Alors j'ai repris en plus le vocabulaire qu'on avait construit en event storming, comme ça vous pouvez plus ou moins faire le lien et vous dire « Ah ouais, en plus si on a construit le truc avec les experts métiers, on peut reprendre exactement la même logique. » Un agrégat qui reçoit une commande, un post-it bleu, qui prend une décision « Est-ce que je peux ajouter le produit dans mon panier ou pas ?» Et une fois qu'il a pris cette décision, il émet un événement. « Ah, j'ai pas de contrainte, mon utilisateur est bien logué, le produit est bien disponible, donc ouais, je peux l'ajouter. » Puisque je peux l'ajouter, j'émets un événement. Je fais que ça pour dire au monde entier « Hey, il y a un produit qui a été ajouté. » Donc, pour dire au monde entier, justement, je le publie en général dans un bus d'événements. Pour tous les gens que ça peut intéresser, comme ça, ils n'ont que à s'abonner à ce bus d'événements. Et si jamais ils veulent réagir au fait qu'un produit a été ajouté, eh ben, il suffit qu'ils s'abonnent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les données dans l'événement pour se mettre à jour de leur côté. Évidemment, on va stocker aussi ces données. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple au niveau de la banque, quand il y a une transaction, vous ne voulez pas qu'on dise que c'est jamais arrivé. Donc en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on stocke cet événement en disant « Ok, ça y est, c'est arrivé. Maintenant, même si le système crash, ce n'est pas grave, on sera capable de rejouer nos événements et donc de revenir dans le bon état du système. » Donc je publie au monde entier le fait que j'ai ajouté un élément dans mon panier. Et puis, en interne, je vais aussi m'appliquer cet événement à moi-même. Parce qu'en général, quand une commande arrive sur un agrégat, ça a des effets en interne, ça a des effets de bord. Et donc, on va se mettre à jour. Par exemple, je vais mettre à jour le NB élément dans mon panier. Ce qui fait que la fois suivante, quand je reçois une commande qui me dit de supprimer un élément de mon panier, eh ben, je vais regarder, ouais, j'ai bien un élément dans mon panier, l'ID correspond bien à celui qu'on me demande de supprimer, ok, je le supprime. Hop, donc je publie pour le monde extérieur, j'applique sur moi-même, je reviens à NB élément égale 0. Et là, je reçois une commande encore qui me redit de supprimer un produit dans mon panier.
Et bien là, ma décision, ça va être, bah non, j'ai plus d'éléments dans mon panier, donc je ne sais pas d'où vient cette commande, peut-être c'est un bug de l'API, peut-être c'est un bug du réseau, on s'en fout. En tout cas, là, je suis dans ma couche métier, donc je ne me préoccupe pas de ça, et je sais que si on me demande de supprimer un élément dans un panier vide, je ne dois rien faire. Donc, enfin, je ne dois rien faire, ou je peux émettre un événement d'erreur, à la limite, peu importe, mais pour simplifier, on va dire, je ne fais rien. Donc, je ne fais rien, donc il n'y a pas d'événement, donc personne ne se met à jour, la commande est refusée, c'est comme si c'était rien passé. Et en gros, l'event sourcing, ce n'est que ça. Parce qu'une fois qu'on a stocké tous ces événements importants, justement, pour l'agrégat dans une base de données, ce qui est génial, c'est qu'on peut dire, on éteint le système, et quand on le redémarre, on va recréer notre agrégat. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que notre agrégat panier, en fait, il a tout simplement un constructeur qui prend en paramètre la liste des événements qui sont stockés dans la base et qui le concernent. Donc quand on démarre, on va dire, va me chercher tous les événements qui concernent ce panier, je les passe dans mon constructeur, je réapplique tous ces événements sur moi-même, ce qui fait qu'à la fin, je suis dans le bon état, je sais pas, NB produit égale temps, je suis bien dans le bon état pour prendre la prochaine décision. Et là, vous comprenez bien déjà la puissance que ça commence à introduire d'un point de vue métier, parce qu'en fait, vous avez un système de logging plus ou moins gratuit quand vous faites ça. Parce que du coup, vous pouvez très bien dire, bah non, en fait, plutôt que de rejouer tous les événements qui sont arrivés, tu vas t'arrêter au 11 mars. Et on va regarder dans quel état était le système à ce moment-là. Donc là, ça commence à devenir super puissant. Autre chose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que du point de vue du métier, vous n'avez pas du tout raconté la même histoire. Parce que vous n'avez pas dit, j'ai un panier pour tel utilisateur qui a zéro élément. Ça, le métier, ok, peut-être il est content, mais il est moins content si vous lui dites ça que si vous lui dites, j'ai un utilisateur qui a ajouté un élément, qui l'a supprimé, qui en a mis un autre, et qui a fini par acheter son panier. Vous racontez pas du tout la même chose d'un point de vue business. Et là, ils vont commencer à vous poser des questions. Ah ouais, mais alors, quel produit? Pourquoi ils les enlèvent? À quel moment ils les enlèvent? Et vous apportez énormément de valeur. Une fois de plus, c'est un exemple un peu facile, le business en ligne, mais je vous encourage vraiment à avoir ce genre de réflexion dans votre métier pour voir de la même façon qu'est-ce que ça pourrait apporter dans votre métier, dans votre logiciel, de stocker tous les événements au lieu de stocker l'état de ce qui se passe à tous les instants. Ce qui complexifie en général pas mal les choses. Donc ce schéma, il est inspiré de Jérémy Chassin, non pas parce que c'est lui qui a inventé l'event sourcing, mais parce que c'est lui que j'ai vu faire ce schéma pour la première fois. Et en tout cas, si l'event sourcing et le CQRS sont des sujets qui vous intéressent, et les langages fonctionnels par ailleurs, mais c'est déjà CQRS-ES, c'est pas mal, Jérémy Chassin, c'est vraiment une des références en France sur le sujet. Il fait pas mal de confs aussi, donc vous aurez sûrement l'occasion de le croiser. Bon, si vous avez des questions sur l'event sourcing, si ça ne peut pas attendre, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, on pourra essayer de les poser à la fin. En tout cas, l'event sourcing, c'est vraiment une approche pour une classe. Mais vous avez vu, finalement, c'est très simple, quoi. Ça revient juste à dire, OK, j'ai ma classe et elle ne fait que réagir à des événements. Et du coup, elle a un seul constructeur qui prend une liste d'événements en paramètres. D'où le sourcing, parce que du coup, ma source de vérité, c'est ma liste d'événements. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça simplifie vraiment la gestion des choses, la gestion des prises de décision et la possibilité, d'un point de vue métier, d'avoir beaucoup plus d'informations. Maintenant, pour ce qui est de la communication entre plusieurs classes, on parle souvent de CQRS. Donc pour que ce soit bien clair, event storming, ce n'est pas event sourcing, ce n'est pas CQRS, mais c'est vrai que les trois ensemble, ça marche très bien. Donc CQRS, c'est plus sur la communication entre différentes classes. Alors CQRS, une fois de plus, vous allez être déçu, parce que c'est vraiment très simple. Ça vient de CQS, qui veut dire Command and Query Segregation. Et le CQS, le principe, c'est rien d'autre que dire, quand j'ai une fonction qui est une commande, elle ne doit pas me renvoyer de valeur, parce que c'est une commande, donc elle a des effets de bord, et donc elle a des effets de bord, c'est déjà assez chiant comme ça, elle ne va pas en plus me retourner des valeurs. Et quand je fais une query, alors là, je veux juste des valeurs, et donc je ne veux surtout pas avoir des effets de bord. Il n'y a rien de plus désagréable que d'appeler un getter qui a des effets de bord. On est tous d'accord là-dessus. CQS, en gros, c'est juste ça. C'est dire, déjà, est-ce que dans votre système, une fonction qui a des effets de bord ne retourne rien, ou à la limite un message d'erreur, ou un message de validation, mais rien d'autre, et une query n'a jamais d'effet de bord? Moi, je pense déjà que si tous les systèmes étaient CQS, l'état de l'informatique serait bien différent. Et en tout cas, le concept en lui-même est vraiment très simple. Donc, on sépare les fonctions de commande et les fonctions, donc les fonctions d'écriture et les fonctions de lecture. CQRS, ça va juste une étape plus loin. D'ailleurs, ce n'est pas du tout implicite dans le titre, parce que CQRS, ça veut juste dire Command and Query Responsibility Segregation.
Donc en fait, ça veut dire la même chose. Mais techniquement, ce n'est pas du tout la même chose. Techniquement, ça va une étape plus loin en disant on ne va pas seulement séparer les fonctions, on va carrément séparer les classes. On a des classes d'écriture et des classes de lecture, donc des classes de commande et des classes de query. Pourquoi c'est vraiment très malin de faire ça? Parce que là encore, je vous encourage à y réfléchir sur votre logiciel au quotidien, et vous verrez qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes responsabilités en termes d'écriture et en termes de lecture. La plupart du temps, dans un logiciel, on fait beaucoup plus de lecture que d'écriture. Mais même si vous travaillez dans un logiciel, ce qui est rare, où vous faites plus d'écriture que de lecture, ça a quand même énormément de valeur. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes problématiques dans les deux cas. Et donc, optimiser une classe pour de la lecture et polluer pour ça la partie écriture, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qu'on évite quand on sépare vraiment les deux classes. Donc concrètement, comment ça marche? Eh bien, on est dans le monde extérieur, donc je suis un utilisateur devant ma page web qui veut acheter un truc. J'envoie une commande, ajouter au panier. D'une façon ou d'une autre, ça on s'en fout, c'est la partie technique, ça passe par un serveur web ou peu importe. En tout cas, à un moment donné, ça appelle ma couche métier avec la commande « ajouter un produit ». Ça, c'est un agrégat au sens event sourcing comme on l'a vu juste avant. Donc l'agrégat, il prend la décision d'ajouter l'événement dans le panier. Une fois que l'événement est ajouté, il le publie dans le monde extérieur. Donc en fait, c'était juste ça qui nous manquait dans le schéma pré-saison, c'est qui c'est le monde extérieur et qu'est-ce qu'ils font. Bah, le monde extérieur, c'est tout simplement des projections, des modèles de lecture. Parce que du coup, c'est des modèles qui n'ont aucune intelligence métier. Là, typiquement, on peut avoir des modèles pure data, pure DTO. On n'a pas besoin de mettre 20 000 couches. Limite, avoir une approche RAD ici, pourquoi pas. Parce que ces données-là, on s'en fout en fait. Elles sont jetables. L'élément vraiment intéressant dans notre logiciel, c'est la source d'événements qu'on a. Et c'est ça notre source de vérité, et à partir de ça, on peut reconstruire toutes nos projections à un instant T quand on veut. Donc en fait, la partie projection, elle est vraiment jetable. Mais concrètement, pour bien comprendre techniquement ce que c'est, les projections, en gros, c'est juste, vous avez du coup une classe, un event handler, ou vous appelez ça comme vous voulez, un truc qui s'abonne à l'événement qui l'intéresse. Donc par exemple, il va dire, moi je m'abonne à l'événement il y a un produit ajouté dans le panier parce que je suis responsable d'afficher le panier à l'utilisateur. Donc il faut mieux que je sois au courant quand il rajoute un produit. Et donc quand je reçois l'événement, eh ben, je vais mettre à jour mes données en interne, donc sûrement une liste de produits. Et du coup, comme je suis bindé à une interface graphique, eh ben, mon utilisateur il récupère bien la donnée. Mais j'ai bien eu deux classes différentes. J'en ai une qui a pris la décision de dire oui, le produit peut être ajouté ou pas, côté commande, et une qui a dit ah, il y a un truc qui a été ajouté, donc il faut que je me mette à jour et que j'en informe l'utilisateur. On a complètement séparé les responsabilités. Et SQS, ce n'est que ça. Si on sépare la partie commande et la partie query, même si on ne fait pas d'événementiel d'ailleurs, eh ben on fait du CQRS. Donc Greg Young, justement, qui est celui qui a formalisé ce concept-là dans les années 2007, aime bien dire que déjà, si vous avez une base de données SQL avec des vues, vous avez déjà compris le besoin et le principe du CQRS. Parce que vous utilisez des tables pour faire de l'écriture, parce que vous avez des problèmes relationnels de stockage, et vous avez un autre besoin de performance en lecture qui fait que vous avez créé des vues, parce que vous avez un besoin de performance, et donc vous avez finalement dénormalisé votre modèle en lecture. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ce modèle de lecture, il est calculé, il n'est en aucun cas persisté. Et du coup, avec ces modèles de lecture, vous pouvez afficher quelque chose d'intéressant à vos utilisateurs plus rapidement. Et donc, vous avez déjà deux chemins de code différents. Et bah, souvent, en CQRS, on pousse un peu plus loin. On dit, vu qu'on a carrément deux pipes différents et qu'en plus, on stocke des données qui n'ont rien à voir, parce que là, en général, c'est de la data. Enfin, c'est de la data au sens potentiellement relationnel, mais en fait, même pas. Parce que justement, vu que c'est pour faire de l'affichage, en général, on n'a pas envie que ce soit relationnel. Parce que les bases relationnelles, c'est quand même très chiant à afficher. On est tous d'accord là-dessus. On ne sait jamais comment faut tirer la grappe, à quel moment faut s'arrêter. Du coup, là, souvent, on met des bases NoSQL. Et de l'autre côté, on met aussi des bases NoSQL, ce qui fait qu'on est vachement à la mode, mais surtout qui nous permet de stocker des événements, parce que les événements, ils n'ont pas non plus de relation entre eux. Un événement, c'est juste, il a un ID d'objet, mais après, on s'en fout de comment il est stocké, il n'y a pas de problème relationnel. Donc, on a une base événementielle qui va nous lister tous les événements qui sont arrivés, et souvent une base de lecture qui va nous stocker les projections. Mais en fait, elle stocke les projections en général juste pour des problèmes de perf, entre guillemets, mais on s'en fout un petit peu, quoi, parce que si cette base-là, elle tombe, eh ben, on est capable de tout reconstruire très facilement. Donc
Le point critique, c'est vraiment la prise de décision, la partie commande. Et là, on reboucle un petit peu avec le domaine driven design. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Greg Young fait partie de la communauté DDD et fait beaucoup de talks sur le sujet. Le fait de faire ça, ça vous permet vraiment d'avoir une meilleure approche métier. Parce que là, votre métier maintenant, il est même carrément que dans la partie agrégat, quoi. Parce qu'en général, votre métier, les processus, c'est que des prises de décision. La partie affichage, la plupart du temps, on s'en fout, quoi. Donc vous avez encore largement simplifié votre archi, votre code, et donc la testabilité, la maintenabilité, et tout ce qui va avec. Ok, donc CQRSES, ce n'est que ça. Ça a quand même des limites, j'aime bien en parler, parce qu'après on croit que c'est une silver bullet, et on essaye de l'appliquer le lundi matin, et puis après on dit « oh là là, mais ça ne marche pas du tout ». D'abord le changement de mentalité, et franchement il n'est pas si facile que ça à avoir, il faut vraiment le pratiquer pour s'en rendre compte. Donc j'essaye aujourd'hui de vous sensibiliser à ça, je vous invite à commencer à y réfléchir, notamment avoir des approches ne serait-ce que métier pour essayer d'échanger avec une approche événementielle plutôt qu'une approche état. Mais clairement c'est un gros changement de mentalité, et pas que pour les devs, hein, pour tout le monde. Le fait de réfléchir vraiment comme ça avec des événements, ça change complètement l'approche. Mais d'un point de vue technique, SES, ça change énormément par rapport aux habitudes qu'on a de nos archis en couche avec des ORM qu'on manie plus ou moins bien pour essayer de les afficher. Là, on est vraiment justement dans une gestion de flux, quoi. On a un flux d'événements et on a des classes qui réagissent à ces événements et puis on a d'autres classes qui prennent la responsabilité d'émettre ces événements ou pas. Donc il y a un vrai changement de mentalité et en gros, c'est sûrement une des plus grosses limites. On ne peut pas arriver le lundi matin et dire « Hey les gars, maintenant on fait du CQRS et de l'event sourcing ». Ça coûte beaucoup trop cher. Il faut être formé, il faut être accompagné, il faut se renseigner, il faut avoir idéalement quelqu'un qui l'a déjà pratiqué, ou en tout cas, il faut que tout le monde ait envie de le pratiquer. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de petits pièges techniques qui sont très faciles à éviter, mais dans lesquels on risque de tomber les premières fois. Donc, un vrai changement de mentalité qui n'est pas trivial. C'est plus difficile de suivre le code. Là aussi, en fait, je pense que c'est plus un problème d'outils qu'autre chose, mais peu importe. Effectivement, en général, quand on veut débugger aujourd'hui, on va sur un use case, on rentre dans notre site web et puis on dit eh ben, go to definition, go to definition, go to definition, jusqu'à trouver là où ça merde, en gros. Ça devient beaucoup plus compliqué en fait en CQRS parce que si vous faites go to definition, vous allez arriver jusqu'à l'agrégat qui émet son événement et après, pour trouver ce qui se passe, il va falloir faire un find all référence de ce type d'événement et regarder tous les gens qui y sont abonnés et imaginer les effets de bord que ça a. Donc ça, c'est une contrainte quand on lit le code, mais par contre, à l'exécution, c'est vraiment génial parce que comme vous savez exactement, vu que vous loguez tous vos événements, vous savez exactement quel événement a fait planter le système, et donc pour retrouver le bug et le réexécuter, c'est beaucoup plus simple en général que dans des systèmes plus classiques. Il y a pas mal d'idées reçues aussi sur CQRS Event Sourcing, donc le fait que c'est très complexe, je viens de le dire, en fait, c'est pas du tout complexe, vous avez bien vu, je l'ai expliqué très rapidement, et franchement, c'est tout ce qu'il y a à savoir conceptuellement dessus. Par contre, c'est vrai que ça demande un changement de mentalité, et c'est plutôt ça qui est compliqué. Et du coup, non, c'est pas utile seulement pour des Google, justement parce que le vrai intérêt, il se place d'un point de vue métier, et du fait que vous allez mettre plus de métiers dans votre code. Et ça, c'est intéressant pour n'importe qui. Et comme je l'ai dit, a priori, n'importe quel logiciel a besoin de faire des écritures et des lectures, et pas forcément dans les mêmes proportions. Autre chose, donc on parle souvent de la performance. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a les deux critiques à la fois. On nous dit souvent, ah, mais event sourcing, ça ne doit pas être performant, parce que du coup, tu vas chercher tous tes événements en base et tu les rejoues à chaque fois que tu veux démarrer ton système. Mais c'est de la merde. Oui, mais non. Parce que déjà, s'il y a trop d'événements à rejouer sur un agrégat, ça vous donne un indice sur le fait que votre agrégat, il a sûrement été mal pensé. Et là, vous voyez directement, potentiellement, le lien avec le métier. Parce qu'en fait, si vous vous reprojetez dans votre event storming, ça veut dire qu'à un moment donné, vous aviez un objet, par exemple panier, qui était entouré de beaucoup trop d'événements. Et ça, du coup, ça peut se détecter très tôt dans le design. Et comme il était entouré de beaucoup trop d'événements, et bien effectivement, potentiellement, il en émet plein. Et donc, effectivement, potentiellement, quand il faut le reconstruire, c'est coûteux. Mais c'est un vrai problème de design. Ça veut dire qu'il avait trop de responsabilités, qu'on pourrait lui enlever des responsabilités, ce qui permettrait d'avoir moins d'événements liés à cet agrégat, et donc avoir quelque chose de plus facile à charger. Néanmoins, quand, pour une raison X ou Y, déjà parce qu'on a le droit de se tromper ou parce que pour un cas métier exceptionnel, effectivement, il y a un agrégat qui a une durée de vie très longue, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, tous ces événements, finalement, ça représente juste la durée de vie de votre objet dans votre système. Mais pas seulement la durée de vie quand votre système s'exécute, mais aussi quand il est arrêté. Ça représente vraiment la durée de vie globale de votre élément dans votre système.
Et donc, quand vraiment il a une durée de vie trop longue, on peut stocker des snapshots. Donc, en gros, un instant T, on va dire, bah, ce coup-ci, je vais stocker mon élément avec son état, une fois n'est pas coutume. Et comme ça, la prochaine fois que je veux charger mon panier, au lieu de repartir de l'origine des temps, je vais repartir de telle date et je vais réappliquer que les événements qui sont arrivés depuis cette date. Et après, c'est que pour la performance, parce que oui, CQRS, à la base, ça a été imaginé pour la performance. Oui, ça peut avoir des gros gains de performance, mais non, c'est pas une obligation, et non, c'est pas le premier gain que ça apporte. Ça permet éventuellement d'être très performant parce qu'on peut ajouter du découplage, parce qu'on peut choisir à ce niveau-là si on veut être synchrone ou asynchrone, et que si on choisit d'être asynchrone dans la mise à jour des projections, ça donne énormément de liberté, et notamment en termes de performance. Mais c'est en aucun cas une obligation. On peut très bien faire du CQRS full synchrone, et dans ce cas-là, en termes de perf, on sera certainement pas mieux qu'un système classique. Donc, une fois de plus, oui, ça peut être performant, mais la vraie valeur ajoutée, de mon point de vue, elle est vraiment au niveau du métier. Et encore une fois, on est juste sur des exemples. CQRSES, c'est super, c'est plus ou moins à la mode, c'est très agréable de travailler avec. Mais c'est quoi le but derrière tout ça? Le but, c'est d'avoir un code aligné avec le métier, comme je n'arrête pas de vous le répéter. Et donc, typiquement, le but, c'est que vous soyez capable de montrer votre code à des experts métiers et qu'ils soient capables de le comprendre. Et s'ils ne sont pas capables de le comprendre, le problème, c'est vous, c'est pas eux. Parce que si vous avez une classe panier qui a une fonction ajouter produit, avec une règle à l'intérieur if nb produit inférieur à 10 return tel événement, n'importe qui doit pouvoir le comprendre. Donc, vous pouvez vraiment introduire le métier concrètement dans votre code et quelqu'un du métier qui n'est pas un codeur a la possibilité de lire ce code métier parce qu'en plus, il ne sera pas pollué par l'ORM, par l'interface graphique, etc. Un autre but, donc, c'est vraiment d'avoir un code simple à modifier parce que le métier va évoluer. On veut pouvoir le modifier, donc il nous faut des tests parce que si jamais on n'a pas de tests, on fait plus d'erreurs. Comme on a plus d'erreurs, on a plus de pression. Et la seule solution pour sortir de cette spirale de la mort, c'est d'écrire des tests pour avoir moins d'erreurs et pour avoir moins de pression. Et surtout, on veut construire une vraie équipe. Une vraie équipe qui avance dans un but commun, où tout le monde est sur un pied d'égalité, où tout le monde se comprend, où tout le monde partage le même langage. Et donc, on n'est pas tous en opposition les uns avec les autres. On est à la limite, tous ensemble contre le monde. Mais ça, ce n'est pas le but non plus. Normalement, on est vraiment tous ensemble pour construire un projet commun et qui satisfasse autant que possible les utilisateurs. Je perds un peu mon micro, je suis désolé. En résumé donc, j'espère vous avoir convaincu que les événements sont importants pour être plus proche du métier. On peut avoir ça dans l'analyse du problème, on peut l'avoir dans l'implémentation de la solution, mais les exemples que je vous ai donnés, Event Storming, CQRS, Event Sourcing, c'est vraiment que des exemples. Si vous avez d'autres méthodes qui vous permettent d'arriver aux mêmes conclusions, donc un partage de la connaissance, un code qui est simple à modifier, un métier qui est protégé, ces méthodes sont largement aussi bonnes. Et no silver bullet, donc il ne faut vraiment pas partir avec l'idée que CQRS Event Sourcing, c'est ce qui va vous changer la vie. Ce qui va vous changer la vie, c'est d'écrire du code découplé et testable. Et ben voilà, c'est tout. Merci. Du coup, on a un petit peu de temps pour des questions. Une ou deux questions, si vous voulez. Alors, juste avant les questions, j'ai mis les références à la fin. Je mettrai les slides à dispo sur toutes les personnes qui traitent ces sujets-là de près ou de loin et qui pourront vous intéresser si vous voulez, plus d'infos sur CQRS, Event Sourcing et tout ça. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Alors, bon, la seule fois où j'ai vu des composants parler avec des événements dans un projet, ça avait été introduit un peu tardivement. Il y avait le problème suivant, c'est que par exemple il y avait un composant A qui était abonné à un événement, il écrivait dans la base de données, un composant B qui était abonné au même événement et qui prenait une décision en fonction de l'état de la base de données. Donc on n'avait pas forcément tout le temps la même décision. Comment on fait pour éviter ça? Eh ben justement, on veut surtout pas prendre de décision en fonction de l'état de la base de données. Tu parles bien de la base de données, justement, côté projection, pas de la base de données événementielle. Voilà, parce que, en fait, normalement, tes décisions ne doivent être prises que sur le côté événement. Comme j'ai dit, c'est la source de vérité, le reste, on s'en fout. Donc, il est hors de question de prendre des décisions basées sur des projections qui, si ça se trouve, ne sont pas à jour ou qui ont été mis à jour de façon différente. La source de vérité, c'est
nos événements. Et donc, éventuellement, je peux m'abonner à un événement, mais je ne vais jamais aller taper dans une base pour prendre une décision, parce que le principe est justement de dire que la décision a déjà été prise. En fait, si l'événement a été émis, c'est déjà trop tard. Et si je veux chaîner des événements, je vais vraiment chaîner des agrégats entre eux, et je vais prendre un chemin particulier pour être sûr que, en aucun cas, en tout cas, je vais me baser sur une projection pour prendre la décision suivante. Je vais simplement dire, puisque tu as reçu cet événement, donc je suis sûr que c'est arrivé, eh ben, je vais éventuellement émettre un autre événement, mais pas en me basant sur des projections, en me basant sur des données qui sont dans l'événement. Voilà, en gros. Mais du coup, je comprends bien ta question, parce qu'effectivement, au début, quand on veut séparer les deux mondes, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est dans ce genre de piège qu'on peut tomber facilement. Une autre question ? Elle est liée à celle-là. Quand on a justement des événements qui sont stockés, on a plusieurs millions d'événements par jour et qu'on veut prendre une décision sur un an d'événements, par exemple. Là, on est obligé d'avoir un système de cache, donc d'avoir une persistance, finalement. Et on est obligé de prendre une décision basée sur une donnée agrégée en base de données. Et là, du coup, on sort un petit peu du cadre. Comment on fait dans ce genre de cas de figure ? J'ai pas dit que tu pouvais pas prendre de décision sur quelque chose qui était dans une base de données. J'ai juste dit que tu as une base de données qui représente tes données de lecture. Même si c'est dans la même base, en tout cas, tu as des tables qui représentent tes données de lecture. Et tu as, en général, une seule table qui est la table événements qui contient tous tes événements. Et donc, éventuellement, enfin, après, effectivement, quand tu rentres dans ce genre de débat, ça devient un peu plus compliqué parce que si tu gères pas la notion de transaction dans ton système, ça va vite être la merde. Ça, c'est clair. Et donc, effectivement, à un moment donné, potentiellement, il faut se poser la question, quand il y a des millions d'événements et des communications un peu compliquées entre les agrégats, déjà, il faut se poser en question en termes de design pour savoir si on peut le simplifier. Mais après, effectivement, on va vouloir chaîner ces événements entre eux et potentiellement avec une notion de transaction. Donc, par exemple, on va pouvoir dire, OK, l'agrégat B, il va prendre une décision basée sur la table événements, mais à condition qu'on soit sûr que la transaction de l'agrégat A soit terminée. Tant qu'on n'a pas cette garantie-là, en gros, je ne dois jamais prendre des décisions sur une transaction qui n'a pas été validée pour un événement dont je dépends. C'est l'idée. D'accord, merci. On va s'arrêter là. Ouais, et ben merci beaucoup. Bonne journée.
c'est au-dessus comme ça. Comme ça, ok. Ça a l'air. Ça t'écrit. Ouais. Ok. Donc, bonjour à tous. Bah, merci d'être là pour notre talk sur Electron. Donc, on va vous montrer donc comment faire des applications desktop avec des technologies web. Et on va voir comment, du coup, faire du desktop, c'est cool. Nous, on aime beaucoup la techno, donc j'espère qu'on arrivera à bien vous faire passer les concepts et notre enthousiasme pour cette techno. Alors, donc bonjour, moi c'est Yves Onicfrin, je suis consultant chez Zenica. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à Electron? C'est que déjà, depuis un certain temps, j'ai travaillé sur des frameworks web comme Angular ou React. Et quand on m'a dit que c'était possible d'en faire dans du desktop, bah, tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Donc, moi c'est Eric Briand, donc ça fait une dizaine d'années que je suis développeur un peu touche à tout. Donc je fais du back, du front, du Java, du JavaScript, tout ça. Donc je suis consultant à Zenica à Nantes, et je suis aussi co-organisateur du Docker Meetup à Nantes. Donc voilà, donc il n'y a pas que le dev qui m'intéresse, il y a un peu le ops aussi. Et donc je suis venu à m'intéresser à Electron en fait, parce que quand GitHub a sorti son éditeur Atom, bah, je voulais voir un peu comment c'était fait à l'intérieur, et du coup bah, c'est du Electron derrière. Donc pour notre talk, ce que je vous propose, c'est que d'abord on va définir ce que c'est Electron. Donc qu'est-ce que c'est vraiment le framework, ses principes, son historique, sa culture. Après on va parler un peu de l'écosystème, tout ce qui gravite autour d'Electron. On va parler après de l'architecture logicielle d'une application Electron. Donc ça va nous permettre de voir comment ça fonctionne. Et derrière, on va voir que ça marche. Donc on va faire un peu de live coding, donc, enfin surtout Ivonic. Et après, on va parler un peu de tout ce qui est stratégie de build, parce que bah, c'est bien beau d'avoir fait du code, mais après, il faut le livrer. Donc on va voir le testing, le packaging. Et à la fin, bah, on va partager un peu avec vous ce qu'on pense, voilà, les points forts, les points faibles. Et puis je pense qu'on aura un peu de temps pour des questions. Donc déjà, juste pour savoir, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens encore qui font de l'application desktop en 2016? Une personne. Et tu fais ça en quoi? Ok, voilà, ça marche. Généralement, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas très content de faire du desktop. Voilà. Donc, moi qui est javaïste, hein, quand on me demandait de faire du swing ou des choses comme ça, j'étais pas très content. Donc, mais ça a encore quand même vachement d'intérêt, en fait, de faire du desktop. Typiquement, même s'il y a pas mal d'API, hein, actuellement, on ne peut pas accéder à toutes les fonctionnalités de l'OS host. Tout simplement, bah déjà rien que pour des problèmes de sécurité. Enfin, si n'importe quelle page web pouvait faire n'importe quoi avec votre machine, bah, y aurait des gros problèmes. Il y a aussi bah, le confort d'utilisation. Typiquement, un site web, il y a possibilité de mettre des raccourcis clavier, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Et bah, voilà, les menus contextuels, les menus système, enfin voilà, c'est des choses qu'un site web actuellement peut pas, a pas vraiment de réponse pour ça. Pareil, pour être sur les stores, bah, il faut une application. Enfin, on peut pas mettre un site web actuellement dans les stores. Et on voit bien que bah, voilà, avec le mouvement bah, du mobile, et puis maintenant sur OS X et Windows, bah, il y a vraiment une généralisation des stores. Et cette monétisation, bah, voilà, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est pour ça qu'encore faire des applications desktop, c'est un intérêt. Et le dernier point que je voulais marquer, en fait, c'est aussi la visibilité sur le poste. Bah voilà, au jour le jour, on va lancer des applications sur notre poste, on va lancer un Chrome, on va lancer je sais pas quoi, enfin on va lancer plein de choses. Et du coup, bah on a un icône, on a une identité visuelle. Enfin vraiment, c'est quelque chose où on voit que bah voilà, on va coder tout à l'heure, on va utiliser Atom. Donc c'est vraiment on identifie un logiciel plus facilement qu'un site web finalement sur une machine. Il y a aussi ça rejoint un peu le confort d'utilisation. Il y a des études qui montrent quand même que même si finalement une application est en mode desktop et une application sur le web, bah la productivité de quelqu'un est quand même supérieure sur le desktop, bah rien que pour tout ce qui est confort d'utilisation. Et du coup, on peut se poser la question aussi, bah pourquoi utiliser des technologies web pour faire du desktop? Bah tout simplement, voilà, on est en 2016, l'écosystème web est juste énorme. Il y a du routing, du templating, du styling, du tout ce que vous voulez.
Il y en a partout, tous les jours. Tous les jours. Bon, je pense que s'il y a des développeurs qui utilisent JavaScript dans la salle, ils savent de quoi je parle. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. La communauté, elle est juste énorme. Enfin, voilà, tous les jours, on trouve des nouveaux produits. Il y a voilà, des dizaines de milliers de personnes qui l'utilisent. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tout cet écosystème, finalement, il est complètement open source. Enfin, actuellement, un framework web, si vous l'utilisez, enfin, il faut qu'il soit open source. Enfin, ça devient même, on vient même plus à penser de dire, bah, je vais utiliser une librairie, je sais même pas comment elle est écrite à l'intérieur. Les performances, pareil, c'est, bah, on n'est plus du tout dans les années 2000, quoi. Enfin, en 2000, le JavaScript était juste banni, c'était quelque chose de lent, buggé, etc. Maintenant, le JavaScript, c'est quelque chose, bah, voilà, qui est très rapide. Enfin, depuis l'avènement de V8, on est quasiment avec du natif. Hein. On utilise tous du JavaScript dans tous les sens et on se dit jamais c'est lent. Enfin, voilà. Et surtout, bah, objectivement, c'est très simple à développer. Enfin, les techno web, on rentre dedans très facilement. Puis c'est l'un des critères aussi de sélection de framework. Si, s'il faut que je me paluche une doc de 150 pages avant de pouvoir commencer ma première ligne de code, on ne l'utilise pas tout simplement. Donc c'est avec tout ça en tête que GitHub a créé Electron. Donc Electron, c'est vraiment un framework pour créer des applications natives, donc cross-platform, avec des technologies web. Donc cross-platform, ça sous-entend donc les plateformes majeures, hein, Linux, macOS et Windows. Donc que ça soit 32 bits ou 64 bits. Donc le projet, il date de mi-2013. Il a commencé en mi-2013 donc pour qu'il puisse sortir donc l'éditeur Atom. Et donc ça a été open sourcé juste après la sortie de Atom, donc à peu près en mai 2014. Donc maintenant, bah voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que c'est open source. Et donc c'est à la base, ça s'appelait Atom Shell. Donc c'était vraiment juste pour l'éditeur Atom. Et bon, bah, ils se sont dit, bah voilà, le framework est vraiment simple d'utilisation, donc ils l'ont open sourcé, rendu disponible à tout le monde. C'est développé en C++, donc si vous voulez participer au projet, bah, va falloir être développeur C++ par contre. Mais bon, on va voir que derrière, vous n'allez pas faire de C++. La vision macro donc, d'Electron, bah, finalement, quand on regarde Electron, on voit qu'il y a 3 technos à retenir. C'est Chromium, Node et V8. Donc Chromium, c'est la version open source de Chrome, donc c'est Chrome sans toute la surcouche analytique, etc. de Google. Node.js, donc c'est un serveur d'application JavaScript pour faire vos applications back-end JavaScript. Et donc les deux tournent sur le même moteur, donc c'est V8, donc le moteur de chez Google pour interpréter le JavaScript. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réinventé la roue, GitHub. Ils n'ont pas essayé de faire un nouveau standard ou se dire, bah voilà, V8, c'est pas assez performant pour nous. Enfin, ils ont vraiment dit, bah, on veut quelque chose qui soit vraiment simple d'utilisation et surtout on veut pas changer les habitudes des gens. Et donc du coup, ils prennent juste sur eux, par contre, de vous intégrer tout ça et de rendre l'utilisation de toutes ces technos très facile, de manière très facile. Après, il y a aussi, l'une des raisons pour lesquelles on fait de moins en moins de desktop aussi, c'est bah, typiquement, c'est qu'il y a pas mal de problématiques qu'on a quand on fait du desktop alors qu'on n'a pas quand on fait du web. La première problématique, typiquement, c'est la mise à jour. Un site web, bah, c'est pas compliqué à mettre à jour sur un poste client, il rafraîchit la page et hop, c'est à jour. Une application sur un poste client, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place des stratégies de déploiement, etc. Electron, ils ont directement mis dedans la possibilité d'utiliser des serveurs, d'appeler de la mise à jour automatique. Donc ils utilisent des frameworks pour ça. Ils ont aussi mis tout ce qui est intégration native, donc des menus, des notifications, donc tout de suite pour faire un rendu beaucoup plus natif. Tout ce qui est reporting, pareil, bah, quand il y a un crash serveur, enfin on a des logs au niveau du serveur, mais quand c'est sur le client, bah c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les logs. Donc ils ont tout de suite pensé à Electron pour pouvoir rendre ça simple. Le debugging, le profiling, bah, quand on regarde le slide d'avant, c'est que des technos qui existaient déjà, du Chromium, du Node.js, donc vos outils que vous utilisiez avant, bah, ils sont toujours d'actualité. Donc ça c'est un gros plus, c'est qu'en gros, on n'est pas obligé d'apprendre encore des nouveaux outils, des nouvelles choses pour débugger notre appli. Le dernier point aussi, c'est qu'ils vous simplifient la vie pour tout ce qui est packaging, donc les Windows installers au niveau des App Store, etc. Donc ils ont rendu ça beaucoup très simple. Au niveau de l'activité, donc c'est le projet sur GitHub, donc il y a à peu près 35 000 stars. Donc 35 000 stars, ça le met c'est un projet qui a finalement à peu près aussi qui a à peu près autant de succès que le langage Swift par exemple ou Rails. Donc c'est quand même deux produits qui sont très très connus. Et Electron, finalement, à peu près autant de nombre de stars.
Il y a 4000 forks, donc voilà, vous pouvez vous-même faire une nouvelle version d'Electron si il y a des choses qui vous plaisent pas. Et il y a à peu près 450 contributeurs. Donc c'est un projet sur GitHub, hein, tout le monde peut contribuer, mais finalement 450 contributeurs actuellement, c'est pas énorme. Comparé à un projet comme Docker qui a à peu près la même notoriété sur GitHub, bah, Docker c'est 4 fois plus de contributeurs par exemple. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire des PR, c'est une attente que vous. Au niveau des releases, c'est un truc qui nous a vraiment surpris, hein, c'est que c'est vraiment très 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 actif. Enfin, depuis juillet 2014, 250 releases. Donc leur objectif, à peu près, hein, c'est une release toutes les semaines et une majeure tous les mois. Enfin, si vous faites le calcul, on est un peu plus que ça actuellement. Donc typiquement là, juste pendant le talk avant, on a vu qu'il y avait une nouvelle version, donc on a mis à jour notre slide. Enfin, c'est juste, tous les jours, on est obligé de regarder s'il n'y a pas de nouvelles versions. Après, ne vous inquiétez pas, ils ne cassent pas tout le temps. Mais alors, pourquoi les releases sont si fréquentes? Si on se rappelle, ils sont basés donc, sur V8, Chromium et Node.js. Ils essayent au maximum de rester proches des dernières versions de tous ces produits. Donc derrière, forcément, ça va déclencher des mises à jour assez fréquentes, parce que chaque produit a un rythme de release différent. Donc ils essayent de vous donner tout le temps les versions les plus à jour. La version donc la 1.0 donc elle est sortie cette année. Ça c'est surtout accompagné en fait avec une refonte du site et la mise à jour de toute la documentation qui est vraiment bien faite. Enfin, vous pouvez noter hein, la question suivie d'hier, c'est combien de fois on va dire que la doc est bien faite pendant ce talk, mais elle est vraiment bien faite. Un petit point aussi pour les développeurs Node qui ont l'habitude donc de tout ce qui est SEMver. Donc on pourrait penser que c'est du SEMver, mais en fait c'est pas du SEMver, donc semantic versioning. Ce qui vous permet d'automatiser les mises à jour, etc. Là, ils vous disent, ils mettent en garde, par contre, ils ne peuvent pas appliquer le SEMver, tout simplement parce qu'ils sont, ils ont des adhérences avec des projets comme Chromium, Node.js et V8, et donc ils ne peuvent pas vous garantir qu'il n'y a pas de breaking change à chaque mise à jour. Donc ce qu'ils vous recommandent, c'est de toujours vous caler sur une version précise d'Electron, et si vous voulez mettre à jour, vous mettez à jour vous-même, et après vous refaites passer tous vos tests. Vous ne pouvez pas le faire en automatique. Donc l'idée hein, de... Electron finalement, et c'est pas nouveau. C'est avant, il y a toujours d'ailleurs le projet NodeWebKit, donc NWJS. Je ne sais pas trop comment on prononce maintenant parce qu'il a été renommé. Donc c'est un projet en fait qui est derrière, c'est Intel. Donc c'est des concepts, c'est les mêmes technos, mais les concepts sont un petit peu différents. Typiquement, on va voir hein, Electron, le point d'entrée c'est un JS, alors que NodeWebKit c'est un HTML. Donc ça donne pas les mêmes possibilités. Enfin. On n'a pas creusé après, on n'a pas essayé de faire un POC avec, mais de manière générale, notre WebKit a l'air moins facile d'accès. Après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup d'applications avec. Côté Facebook, il y a React Native. Donc React Native, je pense que vous connaissez à peu près tous, hein, c'est l'un des projets du moment qui fait beaucoup parler de soi, de lui. C'est un projet donc pour tout ce qui est mobile, mais actuellement ils sont en train vraiment de travailler surtout maintenant pour faire des applications natives mais desktop. Donc Microsoft et Facebook typiquement, ils ont travaillé ensemble pour que le store Windows 10 permette de faire des applications React Native. Et il y a aussi il y a des gens dans la communauté qui ont fait aussi des applications natives macOS avec du React Native. Donc c'est un projet aussi à surveiller. Les applications qui utilisent Electron, je pense que vous en avez déjà tous souvent utilisé une. Donc la première, forcément, c'est Atom, hein, donc ça a été fait pour ça. Donc après, l'application desktop de Slack, donc pareil, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du Slack, c'est du Electron. Le nouveau IDE de chez Microsoft, Visual Studio Code, c'est du Electron derrière. Le kit thématique, par exemple, pour les gens qui connaissent Docker, c'est kit thématique, donc c'est un petit projet pour faire du Docker un peu plus visuel. C'est aussi du Electron. Et les gens qui ont fait du REST, ils connaissent Postman, donc Postman aussi c'est du Electron. Mais ce qui est impressionnant finalement, c'est qu'il y a énormément d'applications en fait en Electron. Il y en a des gratuites, des payantes, des open source, des pas open source. Vous impose rien donc, et tous les jours il y en a de nouvelles. Typiquement, si vous avez une application en Electron, hein, vous pouvez vous rajouter dans la liste de chez GitHub. Hein, vous faites une PR et vous dites, moi j'ai fait une application Electron, mettez-moi sur votre site. Et du coup, vous apparaîtrez. Ils essayent aussi de faire des posts de blog pour parler des nouvelles applications Electron. Donc c'est vraiment un écosystème qui change beaucoup. Et voilà, tous les jours, il y en a des nouvelles et vraiment, c'est vraiment intéressant. Ok, alors si on passe... Maintenant un petit peu sur l'aspect pratique.
L'écosystème Electron se construit tous les jours, même si c'est une technologie qui reste récente. On a pu identifier des plugins selon quatre thématiques, donc ce qui est visuel, un petit peu comme Bootstrap que vous connaissez sûrement tous. Il y en a qui sont faits spécialement pour Electron, comme par exemple Photon, qui permet de faire des composants au design Mac pour Electron. On a des packagers aussi, dont un par exemple qui est fait directement par l'équipe d'Electron, qui va vous permettre de packager en fait pour les plateformes et les architectures les plus communes, donc Windows, Mac et Linux. Après, il y en a d'autres qui sont faits par la communauté, ou voire par des entreprises qui développent des plateformes pour pouvoir packager pour leurs plateformes spécifiques, par exemple Red Hat. On a tout ce qui est tooling, donc pour aider tout simplement les développeurs dans leur travail au quotidien avec des meilleurs outils de debug ou qui sont spécifiques à la plateforme. Et enfin, comme en parlait Eric tout à l'heure, tout ce qui est stratégie d'update, il y a un framework qui s'appelle Squirrel qui va permettre de pouvoir travailler tout ce qui est update, mais vous pouvez aussi vous baser sur d'autres stratégies comme par exemple utiliser les releases GitHub ou d'autres genres de choses. Si on se souvient tout à l'heure donc de la vision macro qu'a présenté Eric, et là, si on plonge un petit peu plus dans le sujet, on va voir qu'on va travailler avec deux types de processus. Un type qui s'appelle main process, qui va plus représenter en fait votre logique back-end, donc ce que vous pourriez faire habituellement sur vos serveurs. Et ensuite, on va avoir des processus d'affichage, en fait, tout simplement pour gérer vos fenêtres et avec une stratégie de communication qui va être mise en place à l'intérieur pour communiquer entre les deux types. Donc, si on regarde un petit peu plus ce main process, quel va être son but ? Ça va être tout simplement d'abord de gérer en fait les différentes instances de vos fenêtres. Ensuite, il va s'occuper aussi donc de tous les traitements un petit peu lourds en fait qui vont être liés à la machine directement. Donc, il faut savoir que vous avez accès directement à Node dans ce processus. Donc, vous avez accès à toute l'API Node. Ensuite, il y a le renderer process, donc lui qui va être lié à l'instance d'une fenêtre. Une fenêtre va avoir un renderer process qui va du coup être englobé dans un thread du V8. Et dans cette fenêtre, ça va être tout simplement une page web en fait, comme vous avez l'habitude d'en utiliser tous les jours dans les applications que vous développez. Donc là, vous pouvez utiliser tous les frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser. Rien ne change en fait, il n'y a rien de particulier. Et donc, pour communiquer entre ce main process et ce renderer process, Electron utilise ce qu'ils appellent IPC, Inter-Process Communication. Ils n'ont rien inventé. En fait, c'est déjà utilisé dans Chromium, puisqu'ils ont exactement ce même système de processus avec un processus par onglet. Et du coup, pour pouvoir communiquer entre ces processus, ils utilisent cet IPC. Donc maintenant, on va vous faire un petit live coding d'une application pour créer des mèmes, du coup, histoire de vous montrer un petit peu ce que Electron, ça donne en pratique. Moi, j'ai une ordi sèche parce que c'est un peu long. Donc on va commencer déjà par vous montrer un peu comment s'organise un projet Electron. Donc vous allez voir, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc pour les gens qui font du Node.js, hein, ils doivent s'y retrouver. Donc on va avoir un package JSON qui va définir notre projet. Donc il y a le point d'entrée, donc le main de notre projet. Donc c'est comme ça qu'Electron va comprendre là où il va bootstrapper l'application. Et derrière, on va avoir les dépendances, les npm scripts. Enfin voilà, c'est vraiment un package JSON standard. C'est juste que derrière, dans les dev dependencies, typiquement, on va retrouver notre Electron. Ensuite, on va avoir notre point d'entrée, donc le main.js, hein, donc on va avoir derrière comment on va le coder, et le index.html, donc ça va être notre premier affichage. Et donc dans le index.html, là on n'est pas trop aidé avec la résolution, mais bon. Mais c'est qu'un HTML standard. Il n'y a rien de spécifique à Electron dedans. Donc
pour pouvoir bootstrapper notre application. Donc on va déjà récupérer tout ce qui est API Electron. Donc on va faire un require Electron et on va donc récupérer par exemple l'APP. Donc APP c'est donc l'application et on va attendre que l'application est bootstrappée. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bah voilà, quand l'application est prête, donc on ready, c'est là qu'on va commencer déjà, on va faire notre premier affichage. Donc pour pouvoir faire notre premier affichage, on va instancier une nouvelle window. Donc c'est pareil, c'est dans l'API Electron, donc c'est une browser window. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier cette browser window et on va lui passer des paramètres d'affichage. Donc là, typiquement, on va juste mettre voilà, la largeur, la hauteur. Mais il faut savoir qu'il y a des dizaines d'options pour dire je veux démarrer sans frame, je veux démarrer de manière invisible, en transparent, enfin avec les DevTools ouverts. Enfin voilà, il y a plein d'options par défaut. Et donc derrière, une fois qu'on a instancié notre fenêtre, on va lui dire charge-moi mon index HTML. Donc pour ce faire, on va utiliser l'hôte d'URL. Et on va pouvoir directement dire, va prendre mon index HTML directement en tant que fichier. Et là, on utilise l'API Node, paf, pour faire notre join. Mais on n'est pas obligé d'héberger notre index HTML quelque part. C'est vraiment directement depuis le système de fichiers. Et donc une fois qu'on a fait ça, après, il suffit juste de lancer notre application. Donc on peut lancer l'application directement en faisant un npm start, donc nous avec nos scripts. Donc on va démarrer et hop, on a notre fenêtre. Donc ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'on a juste dit démarre une fenêtre, il nous a fiché un HTML, et on a déjà des menus par défaut. Et dedans, typiquement, on va retrouver nos developer tools, et là, on est dans le monde Chrome. Donc voilà, il n'y a plus de... Enfin, je pense que déjà, vous avez déjà retrouvé vos petits. Alors... Qu'est-ce qui se passe en vrai quand on lance une application Electron? En fait, Electron, il y a une command line instruction qui en fait va se charger de lancer tout ce qui est nécessaire au fonctionnement d'une application Electron. Et alors, ce CLI, il s'appelle tout simplement Electron. Donc on peut faire Electron. Pour lui dire bootstrap mon application à partir du dossier dans lequel je me situe. Voilà, donc en vrai, c'est ça qui se passe derrière le npm start. Par contre, sur ce point-là, faire attention parce que on va peut-être installer en global Electron et on risque de se retrouver avec des conflits de version entre le Electron de nos nodes modules et notre Electron global. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt d'utiliser le Electron de vos nodes modules. Donc qui est dans nodemodules.bin et puis ça revient exactement au même, sauf que là, vous êtes sûr de la version que vous utilisez. L'une des recommandations, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport au versioning, c'est de pointer vers une version bien particulière d'Electron, et si vous êtes en décalage, vous avez de fortes chances que ça ne va pas marcher. Même à un petit niveau, un numéro mineur, des fois, on risque de tout péter. Donc vraiment, la recommandation, c'est toujours de se baser sur un Electron qui est en dépendance locale. Le Electron global n'est pas forcément recommandé. Donc maintenant qu'on a fait notre premier affichage, on va vouloir commencer déjà à faire un petit peu de templating, par exemple côté front. Donc pour ce faire, on va commencer à faire du JavaScript côté renderer. Et en fait, pour faire du code côté renderer, c'est ni plus ni moins qu'une inclusion de fichiers JS dans notre index HTML. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on là on s'est dit on va commencer à afficher une liste d'images. Donc on a bouchonné la liste d'images. Donc ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va faire un peu de templating vanilla. Donc comme je disais tout à l'heure, Electron ne va pas vous imposer de framework. Il va vous laisser libre. Vous allez utiliser toutes les technos que vous avez l'habitude d'utiliser, du templating, du routing, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous utilisez Bootstrap, vous utilisez Bootstrap, vous utilisez ce que vous voulez. Donc là, on s'est dit, on va faire du templating vanilla, donc c'est juste pour montrer qu'on n'a pas de framework Electron spécifique pour faire notre rendu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que donc on est dans le monde Node, que ce soit côté main renderer, main process et renderer process, et donc on a la même API et le même langage. Il faut savoir que Node, maintenant, gère quasiment l'intégralité des fonctionnalités d'ECMAScript 2015. Donc, vous pouvez vraiment coder très facilement. Il y a un autre point vraiment à noter qui est vraiment... Alors là, pour ceux qui font du développement web, c'est un soulagement. C'est qu'il y a un seul navigateur à gérer. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah merde, ça ne va pas marcher avec Internet Explorer, etc. » Là, vous êtes dans Chromium. Vous êtes avec l'une des dernières versions de Chromium. Bon, là, on n'est pas la dernière, on est à la 53, il y a la 54 qui est sortie.
Mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités qui sont vraiment gérées par Chromium. Donc typiquement, là, on a utilisé du Flexbox pour notre petite galerie. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à dire « Ah ben oui, ça ne va pas marcher dans ce cas-là ». Donc là, vous êtes enfin libéré de ce problème. Alors, par rapport à Electron aussi, toutes les killer features un petit peu qu'on utilise en développement sont présentes. Par exemple, le hot reload. Je pense que maintenant, vous avez tous du mal à vous passer du hot reload. Il y a un plugin qui a été développé qui s'appelle Electron Connect qui va vous permettre de gérer le hot reload dans votre application. Donc là, on voit que, par exemple, j'ai enlevé le titre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout simplement, ma page s'est rechargée. Mais là, je suis côté renderer process. Par contre, si j'effectue une modification côté main process, ce qui va se passer, c'est un petit peu différent, c'est que l'application en fait va être rechargée complètement. Donc c'est quelque chose à savoir aussi quand on utilise ça. Il y a deux autres points en fait qu'on voulait parler à cette étape-là. En fait, c'est le premier point, c'est que là actuellement on fait des dépendances vers des fichiers locaux. Il faut savoir que rien ne vous empêche de faire des dépendances vers des fichiers distants. Par contre, le problème avec ça, c'est que là, vous êtes avec un Chromium et des sandboxés, donc c'est pour ça que vous avez accès au système de fichiers, etc. Donc si vous faites des dépendances vers des fichiers extérieurs, vous pouvez vous exposer à la problématique de charger des scripts malveillants. Donc là-dessus, dans la documentation, il y a un gros pamphlet sur si vous voulez charger des choses distantes, il va falloir vous-même gérer la sécurité associée à ces chargements. Donc typiquement, si vous voulez recoder un nouveau navigateur, ce qui est possible, il y a des gens qui le font, qui sont très... Comme Brave, par exemple, voilà. Qui est le navigateur récemment créé par l'inventeur de JavaScript. Voilà. Et donc vous pouvez le faire, mais c'est à vous de tout refaire à la main. Donc là, ils vous conseillent, mais ils ne vont pas le faire pour vous. Un autre point aussi, c'est que on a dit qu'on pouvait utiliser un peu tout ce qu'on voulait comme framework, mais au final, il y a quand même des variables à faire attention, parce que typiquement, si on dépend de tout ce qui est, si vous avez des dépendances vers Require ou des choses comme ça, dans votre framework, Electron, lui, il a déjà injecté ces variables-là, donc il risque d'avoir des conflits. Dans ce cas-là, il va falloir changer un peu les globales, etc., et du coup, on rentre dans un monde un peu plus compliqué, mais voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir, quand même si ça va marcher, va falloir faire attention à certains petits points techniques. Alors, petit point aussi qui est intéressant par rapport aux DevTools, on vous a montré qu'il y avait ceux de Chrome, comme d'habitude, mais ils ont développé un plugin supplémentaire qui ne s'est pas lancé. Ah, bon, on y revient un petit peu plus tard dans quelques secondes. Ok. Donc là, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a juste instancié une fenêtre. On a chargé un HTML et dedans on a mis un JS pour qu'il nous charge une liste d'images en statique. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est que cette liste d'images soit dans le côté main process. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser donc le IPC, donc pour pouvoir communiquer entre notre renderer process et notre main process. Donc, IPC, c'est encore une API d'Electron, donc vous allez la récupérer en faisant require. Et derrière, en fait, IPC renderer, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire un envoi de messages. Donc dire, je veux les mêmes. Donc derrière, côté renderer main process, on va capter cet événement. Donc lui, pareil, il a aussi son IPC. Et on va lui dire, quand tu reçois cet événement, tu vas déclencher quelque chose. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est par exemple envoyer cette liste. À noter, du coup, donc deux choses. Là, on est encore dans le monde de Node, donc c'est pour les gens qui font du Node, c'est l'API Event Emitter. Enfin, vous retrouvez vos petits, donc vous allez pouvoir faire du on et du submit. Notre petit point, c'est que les événements, donc tout ce qui est IPC, c'est que déclenché côté renderer. Le main process ne pourra pas déclencher de message. C'est toujours un renderer process qui va envoyer un message au main process, et le main process va décider derrière quoi faire de ce message. Et typiquement, si vous voulez communiquer entre deux renderer process, vous allez forcément passer par le main process. Donc après, voilà, on va dire, une fois que j'ai reçu ma liste, donc on va pouvoir faire notre rendu. Alors, petit point là aussi par rapport au code qu'on produit. Vous voyez qu'on utilise les,
les features de S6. Faut savoir que du coup Chrome à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, implémente 98 ou 97% de S6, donc là on n'a pas du tout de transpiler ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de vous embarrasser de toute cette mécanique. Ouais, voilà, enfin, c'est les gens qui ont l'habitude de faire de S6 et qui transpilent derrière avec du Babel ou des choses comme ça, là ici vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que Chrome, vous êtes tranquille avec tout ça. Et donc voilà, on a le même rendu qu'avant, mais maintenant on a tout ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a communiqué entre le main process et le renderer process. Et donc là, on va voir. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, normalement, eh ben on n'y a pas accès. Bon. On n'a pas de chance. Pour quelle raison? Bon. Là, c'est les joies du direct. Tant pis. Alors, à savoir juste qu'en fait, Electro en fait, a développé un plugin en fait, pour les DevTools, dans lesquels vous avez accès en fait, à, par exemple, un linting spécialisé pour Electron, à savoir est-ce que vous gérez bien tous les cas classiques d'une application, par exemple est-ce que vous gérez le fait qu'il y a un crash dans votre application, vous pouvez voir en fait toutes les communications qui sont effectuées entre vos renderer process et votre main process, tout ça directement dans les dev tools du navigateur, ce qui est quand même assez pratique plutôt que de regarder ce qui se passe par exemple dans votre console, c'est plus intéressant. Ils ont vraiment cherché à vous simplifier la vie au maximum. Il y a des spécificités. Bah voilà, on est en train de faire du desktop et on fait pas la même chose que dans le web. Donc c'est vraiment. Ils ont vraiment essayé de répondre à des problématiques vraiment desktop. Donc maintenant qu'on a fait notre liste en dur, ce qu'on va vouloir, c'est rajouter un fichier depuis notre. Je veux pouvoir rajouter un fichier dans ma galerie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc un petit carré dans notre application. Et dessus, on va juste, quand on va cliquer dessus, donc on va envoyer un message à notre main process pour qu'il puisse nous ouvrir une fenêtre de dialogue pour sélectionner notre fichier. Donc il faut se rappeler, tout ce qui est dialogue système, c'est le main process qui va les ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on va envoyer un petit message au main process. Et donc derrière, on va capter cet événement. Et donc pour ouvrir une fenêtre de dialogue, encore une fois, il y a une API côté Electron pour le faire, donc c'est l'API dialogue. Et derrière, ça va nous permettre de dire, je vais ouvrir une file dialogue, mais on peut ouvrir d'autres types de dialogue. Et donc tout simplement, ce qu'on va dire, c'est ouvre la fenêtre de dialogue, tu me dis, je veux juste sélectionner les images et on va mettre un filtre sur les extensions. Donc, vu qu'on fait des images, on va mettre du JPEG, du PNG. Et une fois que l'utilisateur aura choisi notre fichier, on va déclencher le traitement qu'on veut. Et donc là, pour montrer qu'en fait, on n'est pas limité à une fenêtre, ce qu'on s'est dit dans l'application, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, une fois qu'on a sélectionné notre fichier, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc on relance notre appli. Et donc on va cliquer, on va sélectionner un fichier. Et derrière, on a l'impression qu'on est resté toujours dans la même fenêtre, mais en fait on a ouvert une nouvelle fenêtre. Et donc ça, en web, ça c'est possible, mais derrière, pour faire communiquer, ça va être compliqué. Enfin, donc c'est pour dire que Electron, derrière, ça vous ouvre d'autres possibilités. Vous allez pouvoir faire des applications multifenêtrées. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc là, maintenant qu'on a rajouté des fichiers, on va maintenant montrer un peu comment faire des menus et des notifications. Donc là, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est dire quand je clique droit sur un élément de ma galerie, je veux pouvoir le supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API Electron qui s'appelle menu, et dedans en fait on va rajouter donc un menu item, et de ce menu item on va dire je dis qu'il s'appelle delete, et derrière en fait je vais lui associer un comportement. Donc ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va dire quand tu vas cliquer, donc cliquer droit ça va ouvrir le menu, et quand je clique sur le label delete, tu vas déclencher un effacement de fichier. Et donc, pour effacer le fichier, il faut qu'on lui donne l'ID du fichier, enfin l'ID de l'image, forcément. Donc
Donc tout ça, je rappelle, on utilise vraiment que du JavaScript et l'API d'Electron. On n'a pas de framework particulier pour faire tout ça. Donc une fois qu'on a notre dilette, voilà, on a notre menu item qui s'affiche. Donc derrière, ce qu'on va vouloir faire, hein, c'est qu'une fois que le fichier est effacé, ben, on va vouloir rafraîchir notre fenêtre. Mais surtout, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est d'afficher une petite notification. Parce que quand on efface quelque chose, généralement, on aime bien qu'on soit un peu prévenu. Donc pour faire une notification, on va utiliser la classe notification. Et donc ça, c'est pas une classe de chez Electron, hein, c'est du HTML5. C'est une API HTML5 standard. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va instancier notre petite notification. Et on va lui donner un petit message gentil pour lui dire que le même a été effacé. Donc ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est que voilà, là, on n'est pas en train de faire des choses très très complexes, on est vraiment juste en train de dire affiche une notification, et en fait derrière ce que va faire Electron, c'est que ça va vous le rendre oui, ça c'est pour l'anecdote, c'est un petit bug, enfin c'est pas un bug, c'est un comportement de macOS qui désactive les notifications en mode présentation. Donc les premières fois qu'on a joué la présentation, on voyait pas les notifications, c'était un peu gênant. Voilà, et donc là, en fait, en faisant juste une nouvelle notification, on a une notification stylisée macOS. Donc on n'a rien fait de bien particulier pour avoir ce rendu. Et alors, donc dernier point, c'est comment est-ce qu'on package une application? Alors, c'est tout bête. C'est-à-dire que Electron, en fait, va nous mettre à disposition un utilitaire en fait en ligne de commande qui s'appelle Electron Packager, qui lui va prendre des options pour par exemple définir vers quelle plateforme on veut packager notre application. Donc, par exemple pour Windows, on définit l'architecture, et par exemple petit mot clé là qui nous a pris du temps à chercher, c'est-à-dire que Electron en fait va créer des packages assez conséquents, et en fait Prune va vous permettre de ne pas prendre en compte vos dev dependencies. Ce qui réduit quand même considérablement la taille du paquet. J'ai oublié de lancer la VM pour vous montrer après. vous montrer après sur Windows. Aïe. Petite erreur. Ouais, à mon avis, t'es pas sur la bonne branche. Ouais. Ça va mieux marcher sur la bonne branche. Ce qui va se passer, en fait, quand on va packager une application Electron, hein, ce qu'il va récupérer finalement, c'est qu'en fonction des plateformes qu'on a choisies, il va récupérer l'exécutable, donc qui va vous permettre de lancer un Chromium. Il va le récupérer en fonction des plateformes. Donc là, typiquement, on a précisé juste. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est Win32 Archi X64. Enfin bref, du Windows 64 bits. Et derrière, en fait, ce qu'il va prendre, il va prendre votre code, il va prendre les dépendances node module et il va packager tout ça en un seul répertoire. Donc par défaut, ça va être un répertoire, mais vous pouvez aussi le packager en une archive. Typiquement, si vous avez déjà installé un Visual Studio Code ou un Atom, vous n'avez pas un répertoire avec 36 000 fichiers. Donc là, vu qu'on est en mode, on a juste lancé le mode basique de packaging, on va se retrouver voilà, avec beaucoup de les fichiers des DLL, etc. Ce que vous avez, du coup, il faut noter, hein, c'est que là, on est sur macOS, et vous pouvez très bien packager pour du Windows, pour du Linux, enfin, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est Electron qui va gérer tout ça pour vous. Donc il n'y a pas la complexité de cross-compilation, ce genre de choses. Alors du coup, pour les besoins de la démo, j'avais déjà mis le package, sinon ce serait un petit peu long. Et donc là, on voit que voilà, tous les fichiers qui étaient dans le package et un exécutable pour Windows. Donc là, si on le lance, normalement tout se passe bien. Voilà, donc là on a bien nos images, et si par exemple je supprime un élément, normalement je suis censé avoir une notification Windows qui n'est pas apparue, je pense peut-être à cause de la résolution, mais elle est bien présente dans le centre des notifications. Donc là, on n'a pas fait de code spécifique pour pouvoir faire ça. C'est vraiment Electron qui va dire, là, c'est une notification, c'est sur Windows, donc je l'ai fait différemment.
Donc voilà, on vous a montré un peu des intégrations natives, mais il faut savoir qu'il y en a, il y en a vraiment beaucoup, même des spécifiques par OS. Typiquement, dans Windows 10, la barre de progression dans votre barre de task, il le gère, le fait d'avoir des shortcuts, des choses comme ça, et on va aller à la suite. Donc, une fois qu'on a codé, ou avant, on peut faire aussi du test. Donc, c'est du Node.js, donc vous avez du test unitaire comme avant. Mais par contre, pour tout ce qui est test d'intégration, vu qu'on n'est pas dans un navigateur standard, ils vous ont simplifié la vie en faisant Spectron. Donc Spectron, ça va vous permettre de gérer facilement le cycle de vie de votre appli, de démarrer, d'arrêter, de savoir à la cracher ou pas. Ça va simplifier vos tests d'intégration. Donc le packaging, on a vu donc Electron Packager. Donc c'est vraiment, vraiment très simple à utiliser. Vous pouvez faire du 32, 64 bits, Windows, Mac, Linux. Et si je ne me trompe pas, même ARM Linux est géré. Et donc, pour créer par contre les installeurs Windows, c'est un petit peu plus complexe. C'est pareil pour les App Store. Donc, il y a des certificats, des trucs à signer. Et donc, par contre, là, il y a de la documentation qui vous guide pour faire tout ça. Même si Electron ne va pas le faire pour vous, mais c'est quand même pas compliqué à mettre en place. Pour tout ce qui est gestion des mises à jour, donc il n'y a pas de mystère, à un moment ou à un autre, il faut exposer un service qui va vous dire les dernières versions. Donc soit vous vous basez sur les GitHub Releases, donc ce qui n'est pas déconnant vu que c'est un produit GitHub, on reste dans le même monde, soit vous pouvez directement faire tout à la main. Donc il y a des produits par exemple qui s'appellent Electron Release Server. Donc l'intérêt derrière, c'est que vos clients, ils vont détecter automatiquement les mises à jour et ils vont se mettre à jour automatiquement avec un produit qui s'appelle Squirrel. Donc Squirrel, c'est un produit qui est déjà utilisé ailleurs, mais ce n'est pas de chez GitHub. Il y a aussi toutes les problématiques donc, de crash reporting, donc c'est pareil. Vous pouvez avoir un serveur chez vous qui va capter toutes les erreurs de vos clients et les erreurs seront remontées automatiquement. Alors, quand on a découvert Electron, il y a pas mal de choses qu'on a quand même bien aimées. Je vais le redire. Je pense que vous en avez marre. La documentation, elle est très bien faite, mais vraiment. C'est un très bon point d'entrée. En quelques minutes, de toute manière, vous le voyez dans notre étape 1, c'est qu'en quelques minutes, on peut avoir sa première fenêtre qui s'ouvre et limite, on n'a pas besoin de plus en fait pour faire une application. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, en termes de courbe d'apprentissage, vu que le périmètre d'Electron en termes d'API est restreint vraiment à la gestion des fenêtres et à la gestion des interactions natives, la courbe d'apprentissage, en fait, vous connaissez JavaScript, c'est juste utiliser des fonctions. Donc, ça va très vite. Qu'est-ce qui est génial, c'est toutes les librairies qu'on a l'habitude. Au bout de 5 minutes, on met les mains dans le cambouis, on utilise ce qu'on sait utiliser, du coup, il n'y a pas de problème, on va vite. Un seul navigateur à supporter. Tous ceux qui font du web ici, ils ont déjà dû faire de la compatibilité avec IE9 ou j'en passe et des meilleurs. Là, vous utilisez au pire l'avant-dernière version de Chrome. C'est quand même super. Et puis, c'est très actif, ça bouge tout le temps, il y a sans cesse des nouvelles choses et tout est à jour. Petit point très intéressant encore par rapport à la documentation, à la sortie de la 1.0, ils ont sorti une application de démonstration dans laquelle vous pouvez voir la majeure partie des API d'Electron avec un snippet à chaque fois et une démo sur laquelle on clique sur un bouton et ça s'exécute. Donc c'est vrai que c'est super pour commencer et en plus si vous allez jeter un coup d'œil, il y a quelques petits fichiers Markdown sur le repo de cette application qui vous explique par exemple l'architecture qu'ils ont utilisée, pourquoi. Et c'est vrai qu'au début quand on bootstrap une application, se poser les questions de comment je nomme mes dossiers, là ils y répondent pour vous, donc c'est quand même plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qui nous a un peu, je dirais pas déçu, mais qu'on a un peu moins apprécié, c'est que ça abstrait pas totalement les spécificités OS. C'est-à-dire que par exemple, le petit bouton avec la croix sur Mac, faut savoir que ça ferme pas vraiment l'application. C'est juste que ça va la masquer en fait. Et donc du coup, faut gérer le cas de quand l'application elle est masquée, et on va venir quitter l'application. Voilà. Et ils ont privilégié aussi les fonctionnalités qui sont communes à toutes les OS. Je pense principalement aux composants d'interface qui des fois sont pas présents dans d'autres OS. Ils vont pas se concentrer là-dessus en fait. Des fois ils vont le faire et d'autres fois non. Et là il faudra se débrouiller tout seul. La taille du livrable, vous en parlais tout à l'heure. Là notre application, si je me trompe pas, elle fait quelque chose comme 150 MO quand elle est packagée. C'est énorme. On n'a pas encore poussé les recherches pour essayer de réduire un petit peu plus, mais ça embarque en fait toutes les dépendances.
ce qui est assez logique. Après, il faut savoir qu'un Visual Studio Code, là, je l'ai retéléchargé hier, ça fait 30 mégas. Hein. Donc c'est juste pour vous dire, il y a quand même moyen d'optimiser hein, ce qu'on fait. Il hein. y a des pistes, ouais. Et petit point négatif, c'est que bah, y a pas de support mobile. Et a priori, c'est pas dans leur roadmap, donc ça restera concentré sur le desktop. Si vous voulez vous tourner vers du support mobile, bah, faudra plus aller vers bah, soit de l'Android ou du React Native, PhoneGap. Bah, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bah, merci à vous. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je pense qu'on a une minute. Et sinon, on a quelques stickers, si ça vous amuse. Des stickers Electron, Atom, voilà. J'ai une question sur la communication avec l'EC. Est-ce que c'est possible de faire la communication avec l'EC avec d'autres process ? Je ne pense pas que ce soit possible, parce que je pense que ce n'est pas dans l'idée du projet. Après, on n'a pas poussé l'étude jusque-là, mais ça m'étonnerait. Mais bon, à vérifier. Après, ce que je sais par contre, c'est qu'on peut lancer des applications extérieures à Electron. Typiquement, tu peux très bien dire j'ai une URL extérieure et lancer un navigateur à côté. Donc, je ne sais pas si ça répondrait à ta problématique, mais après, plus bas niveau, j'avoue que je ne sais pas. Une autre question ? Non, bon, bah parfait alors. C'est merci. On a bien expliqué. C'était chouette présentation, je merci sais, vraiment, merci beaucoup. Vraiment bien construit. Je vous pique un petit sticker. Voilà, je suis prêt. Tiens, je vais mettre le micro. Excuse-moi. Attends, je vais enlever ça. Le câble il va se mettre derrière, non ? Ouais. Comme ça ? Ouais. Est-ce que je mets mes lunettes ? Non. Je vais rien. Non, ça va aller. Je suis pas aveugle non plus. Ah merde, on voit plus rien. Tic. Eric.
Mais j'ai pas le. J'ai pas le. Juste le. Ah, le. Bah, ouais, Yonik, il a dû bien enfoncer le truc. Hein. Ouais. Très fort en fait. Ah, bon, ça marche pas. Bon courage. Ouais, mais. Ouais, ça marche très bien. Ouais. C'est mon câble. Sensible. Ouais. J'ai essayé avec l'autre, c'est pareil. Donc j'ai essayé d'éviter de faire des bêtises. Le câble. Le câble, il se déconnecte. Bon, j'ai bien serré, mais regarde. Okay. J'ai essayé aussi avec celui-là, on peut réessayer si tu veux. Bah, si t'as essayé, je te fais. Ouais. Confiance. Non, j'ai essayé aussi. On va essayer de mettre ça plus loin. Éviter que ça bouge. Alors, attends. On va voir. Bon. On va croiser les doigts. Eh non, ça comprend, on va pas croiser les doigts. Il n'y a pas de câble USB à mettre, en plus. Ah, c'est peut-être l'autre bout où ça merdouille. Bon. Vous n'avez pas faim? J'ai faim. Bon. Comme vous pouvez le voir, on a quelques soucis. Tu veux essayer l'autre? Déjà, ça marche sur les deux premières. Bah, d'habitude, ça marche aussi. Hein. C'est pas la première fois que je prends ce câble-là.
On verra. Désolé d'avance. On peut commencer ? Bonjour à tous. Je m'excuse pour les petites coupures de l'image qui peut arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le câble ou ma connectique. Merci d'être resté pendant cette pause déjeuner. Je m'excuse d'avance de vous laisser avoir faim pour une conférence de 15 minutes sur Angular CLI. Je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web chez Zenica Lille depuis un an et demi. Et c'est les slides les plus compliquées que j'ai jamais écrites. Il n'y a qu'une seule slide. Juste pour vous préciser qu'Angular 2, déjà qui a commencé à développer sur du Angular 2 dans la salle ? Une petite dizaine. Angular 2, ce n'est pas juste le framework, comme on a l'habitude d'avoir, c'est une plateforme maintenant, c'est la terminologie qu'ils ont utilisée. Donc on a des modules utilitaires qui se trouvent à gauche pour gérer les animations, le routeur, etc. Nous avons dans la partie droite, la partie en bas en violette, c'est toute la partie core, c'est l'API Change Detection, c'est le compilateur, c'est l'injection de dépendance, c'est les zones que je présenterai tout à l'heure à 13h30, donc venez dans l'amphithéâtre. Et nous avons également des outils qui se trouvent tout en haut pour faciliter la vie du développeur, notamment l'outil CLI. Et c'est fini pour les slides. Je ne sais pas vous, mais en 2016, quand on commence à créer une nouvelle application Angular 2 ou quelle que soit la librairie, on passe une demi-journée ou une journée à configurer les différents outils, configurer NPM, configurer votre compilateur ou votre transpiler si vous utilisez du ECMAScript 2015 ou du TypeScript, configurer vos outils de test si vous écrivez des tests. Si vous utilisez les modules ECMAScript 2015, il vous faut un loader de modules, donc vous allez configurer System.js ou Webpack. Bref, vous perdez du temps à des choses qui sont un peu, pas inutiles, mais à faible valeur ajoutée. C'est là où on entre en Angular CLI. Angular CLI va vous permettre, via une ligne de commande, un outil en ligne de commande, de générer un squelette d'application et de générer un ensemble de composants disponibles dans Angular 2. Ce n'est pas la seule solution qui existe, hein, ce n'est pas la première. Pour ceux qui font du front, on a l'habitude d'utiliser les générateurs Yoman, qui fonctionnent très très bien. Mais là, l'intérêt d'Angular CLI, c'est que c'est un outil qui a été créé par pratiquement la même équipe qui est derrière Angular 2, le framework, et qui respecte les bonnes pratiques du framework et qui va nous permettre également d'avoir toutes les bonnes pratiques et toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va avoir dans Angular 2, de les avoir rapidement dans Angular CLI lorsque vous allez générer votre prochaine application. Donc, il me reste 10 minutes pour faire une démo. Vous utilisez n'importe quel type d'outil de gestion de dépendance, NPM, Yarn ou autre. Angular CLI est disponible sur le repository NPM, donc vous l'installez globalement comme vous avez normalement l'habitude de faire si vous êtes développeur JavaScript. Et une fois que vous avez installé, vous avez une commande ng qui est disponible, qui vous propose différentes commandes pour générer ce que vous avez à générer. Donc lorsque vous allez vouloir commencer votre prochain projet Angular 2, vous allez tout d'abord appeler la commande new et le nom de l'application. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va créer un nouveau répertoire qui va s'appeler application, ça va générer un repository git avec un premier commit, ça va copier un ensemble de fichiers préconfigurés pour vos tests, pour la compilation TypeScript, pour vos tests unitaires, Webpack et tout ça, déjà préconfigurés, et ça va lancer l'installation des différentes dépendances NPM nécessaires à votre application. Cette commande a des paramètres. Le but, c'est pas de faire un catalogue d'outils, de tous les paramètres de chaque commande, mais il y a deux paramètres intéressants. Style, si vous voulez pas écrire du CSS brut, mais vous voulez passer par des préprocesseurs, que ce soit SCSS, SAS ou LESS, vous pouvez directement le spécifier et Angular CLI va le gérer pour vous, la configuration du préprocesseur associé. Et nous avons également un paramètre, ce qui va être préfixe, qui était une bonne pratique dans AngularJS, déjà, une première version, de préfixer tous vos directives ou tous vos composants AngularJS par le même préfixe pour les rendre plus
pour rendre votre code HTML plus lisible, pour savoir que telle directive qui s'appelle bdxio-welcome, ben, ça vient du module bdxio que j'ai développé. Donc là, vous pouvez spécifier ce préfixe, et lorsque vous allez générer vos prochains composants ou directives Angular 2, il va réutiliser ce préfixe-là automatiquement. Je ne vais pas générer l'application parce qu'il va avoir l'installation NPM à faire, et je n'ai que 15 minutes. Désolé, la résolution dans l'écran n'est pas top. Je vais ouvrir mon IDE, c'est pas grave. Donc lorsque j'ai fait mon ng new, là j'ai appelé mon application bdx.io, il vous génère cette structure de répertoire. Donc là on retrouve les fichiers de configuration qu'on a l'habitude d'avoir, le karma, protractor, pour les tests d'intégration unitaire, l'initialisation du repository git, toute l'application se retrouve dans le répertoire src. Donc là encore une fois on retrouve les fichiers de configuration de votre compilateur TypeScript, les fichiers de définition, et enfin l'application. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Angular 2, comment ça fonctionne, c'est que lorsqu'on va bootstrapper l'application Angular 2, on va faire appel à une méthode bootstrap module qui est définie ici. Donc j'ai écrit aucune ligne de code entre le moment où j'ai généré mon application et le moment où on se voit là. Donc je vais bootstrapper mon application en utilisant le module qui s'appelle app module, qui a été initialisé, généré par Angular CLI qui est défini ici. Et Angular 2, lorsqu'on va bootstrapper via le module, il va regarder, OK, quel est le composant principal de mon application, quelle est sa porte d'entrée. Ici, c'est App Component, et il va commencer à générer le reste de votre application. Voilà un cours d'Angular 2 en 1 minute 30. Et donc, ce module, le fichier main.ts et le composant principal ont déjà été créés pour vous automatiquement. Donc, si je lance mon application grâce à la commande ng-serve, normalement, ce que j'ai pas dit, c'est que Angular CLI génère une application utilisant Webpack pour le système de loader de modules. Avant, il se basait sur System.js, mais l'équipe d'Angular 2 préconise à présent Webpack pour des soucis de simplicité de configuration et de performance. Et donc, ça a été inclus très peu de temps après dans Angular CLI. Donc là, normalement, si je vais sur mon port 4200, j'ai mon application qui ne fait pas grand-chose, qui fonctionne. Ensuite, nous avons, si vous vous intéressez à la qualité de votre application, nous avons la configuration d'un outil de lint, de vérification de la qualité, qui est déjà préconfiguré, qui s'appelle TS-Lint, donc qui est spécifique au langage TypeScript, avec des règles natives à l'outil qui sont préconfigurées par Angular CLI, mais également avec des règles spécifiques à Angular 2. Ça, ça ne vient pas de TS-Lint, parce que TS-Lint, ils s'en foutent du framework qui est derrière. Il se base sur un module externe qui s'appelle Codalyzer, qui a été développé également par la communauté Angular 2. Donc là, vous vous souvenez du préfixe que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on pouvait définir lorsqu'on fait un ng-new application. Ben, automatiquement, il va mettre à jour ma configuration TS-Lint pour vérifier que lorsque je vais créer une prochaine directive ou un prochain composant Angular 2, si je utilise un préfixe qui n'est pas le bon, parce que par défaut c'est app, ben, il va mettre des erreurs. Comme ça, je suis sûr que je respecte les bonnes pratiques dans l'ensemble de mon application. Donc là, comme je n'ai pas écrit une seule ligne de code, normalement, je n'ai pas d'erreur. Tac, ça marche. Nous avons aussi... là, je joue le temps de lancer Chrome, ça va prendre 3 heures. On a aussi une commande pour lancer les tests unitaires, donc qui se base sur Karma. Et là, encore une fois, comme je n'ai pas écrit de bêtises, normalement, les tests doivent passer. En attendant, voilà, ça passe, tout est ouvert. 3 succès. Désolé, la résolution n'est pas top, mais je vous assure que tout fonctionne. Par défaut, le ng-test fonctionne en mode watch, donc à chaque fois que je vais faire une modification de mon fichier, il va relancer les tests à chaque fois. Il y a un paramètre pour désactiver cette fonctionnalité. Ensuite, pour générer un composant, nous avons la commande ng-generate. Donc on peut générer tout type d'éléments Angular 2, des composants, des services, des directives, des pipes, tout type d'objet TypeScript qu'on peut utiliser dans Angular 2 est disponible via cette commande. Donc par exemple, si je génère un composant talk, donc je fais ng-generate le type d'élément et ensuite son nom.
En fonction, bien sûr, du type d'élément qu'on veut générer, il y aura des paramètres spécifiques, mais là, ce n'est pas le but de la présentation. Donc là, si je génère mon composant, il va automatiquement me créer mes différents fichiers nécessaires. Donc le nom de mon composant suffixé par composante. Donc on a, pour un composant donné, on a son fichier TypeScript, sa feuille de style, son HTML et son fichier test déjà préconfiguré avec un exemple de test. Donc, normalement, ça doit vous aider à écrire des tests pour votre prochaine application. Donc, on peut créer également des services. Generate service, BDX.io. Donc là, comme un service n'a pas de template, il va juste me mettre mon fichier de test et ma classe. Si on regarde le code qui a été généré, ici dans SRC, on voit qu'il a normalement créé un répertoire talk avec le nouveau composant que j'ai rajouté. Et en fait, Angular CLI a une représentation au format AST de votre application. Et grâce à cette représentation, il est possible de faire de la génération de code en fonction des éléments que vous allez créer. Donc là, j'ai créé un composant et automatiquement, si je n'ai pas fait de bêtises, il a ajouté ce nouveau composant à la propriété déclaration qui est disponible dans la notation ng-module, qui est utilisée pour indiquer que tel composant Angular 2, je veux les utiliser dans mes templates. Si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas l'utiliser dans mes templates, c'est un peu bête parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc là, ça vous l'ajoute automatiquement. Par contre, pour ceux qui ont fait du Angular 2, le service, ici, on vous met un warning, le service a été créé, mais n'a pas été provided. Ça veut dire que j'ai généré ce qu'il faut, mais tu dois configurer l'injecteur d'Angular 2 pour savoir que cette classe-là peut être injectée et comment elle doit être instanciée. Ça, il ne le fait pas parce qu'Angular CLI, il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est à vous de le faire à la main. Mais il vous met un warning pour vous prévenir. Donc là, il faudra juste ici spécifier dans les providers la configuration de vos injecteurs. Alors, j'ai 3 minutes encore. Si je relance mon serveur, voilà. Et si par exemple dans mon composant app composante, je rajoute le nouveau composant Angular 2 que j'ai utilisé, normalement il y a du rechargement à chaud, j'ai rien à faire. Si mon PC n'est pas capricieux. Donc là, on voit que l'interface a été changée. Lorsque vous avez fini vos développements, vous êtes prêt à être en prod, vous avez une commande ng-build qui va vous générer un répertoire dist avec les différents bundles que vous devez déployer sur votre service, sur votre serveur. On a donc le ng-build par défaut, il va générer les fichiers pour mode développement, donc non minifiés avec les commentaires et tout ça. Si vous voulez optimiser au maximum et pourquoi pas générer le fichier gzip que vous avez déployé en prod, on peut spécifier la target vers laquelle on veut déployer. Donc si je fais target production, il va vous minifier, concaténer tout ce qu'il faut, gzipper. Il va aussi faire fonctionner le système de tree shaking en webpack, c'est-à-dire supprimer tous les objets de mes modules qui sont en fait jamais utilisés dans mon application. S'ils sont jamais utilisés, ça ne sert à rien de les inclure dans le bundle final. Donc là, si on regarde mon répertoire dist, désolé pour cette résolution, le bundle gzip fait 183 kilos. Pour finir, depuis peu, avec Angular 2, on est obligé. Quand on génère une application Angular 2 côté navigateur, il y a un système de génération de code qui est fait au runtime, le Just-in-Time Compiler, qui parse votre HTML et génère du code pour faire la manipulation de DOM. Donc ça peut être coûteux de le faire au runtime. Et depuis quelques mois, l'équipe d'Angular donne à disposition un compilateur offline qui permet de rajouter une phase dans votre workflow pour faire cette génération de code. L'intérêt, c'est que votre application est générée plus rapidement et que vous n'avez pas à inclure le compiler dans votre bundle final, parce que la compilation a déjà été faite. Et donc, il suffit de rajouter le paramètre AOT pour Ahead of Time Compiler. Si je dégénère ça, on va regarder la taille finale du bundle.
et j'aurai fini. Si ça veut bien. Il ne fait plus que 99K. Donc on a gagné 80, si je ne me trompe pas, 84 kilos. Juste en faisant la compilation offline. Il y a d'autres commandes qui sont disponibles, notamment le déploiement vers des pages statiques GitHub. Il y a une commande ghpage-deploy. Et le but, c'est que cet outil soit modulaire. Donc il y aura plein de plugins qui vont arriver au fur et à mesure du cycle de vie de ce projet. Merci à tous. Ça a été. Finalement, ça vient peut-être du adaptateur. Ouais. Hey. Il a un mix entre l'adaptateur, le câble et je sais quoi. Ça vient pas du mix. Ouais, ça va. Moi, j'ai pas vu ce que je suis sur le mix. Ouais, le mix. Oh, non.
1, 2, 1, 2, ça a l'air de marcher. Yes. Ok. Ouais. Alors, c'est pas très important, c'est pas grave. Ok, j'ai peur que ça fasse du bordel en fait. En fait, il est trop court, en plus, je peux même pas le choper. Non, c'est pas grave du tout. Ok, alors. Bon, mais c'est parti. Bienvenue à tous. Merci de participer à ce petit talk de 15 minutes qui va être assez fun et parler de quelques concepts et quelques idées avec lesquelles j'ai expérimenté. Donc, je suis cofondateur et CTO de Geekers. On est une agence d'innovation sur Paris. On fait du web, du mobile, tout ça. Et aujourd'hui, je vous présente comment repenser en fait votre workflow avec un piano. L'idée, c'est que je me suis rendu compte que je me suis mis au piano récemment. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc en USB. On peut peut-être faire des trucs avec, et je me suis mis dans la peau de comment je peux améliorer mon workflow, et je vais vous présenter comment, avec un petit peu de code, une démo, et des perspectives qu'on pourrait développer. Donc je suis CTO, vous avez mon GitHub et mon Twitter ici, le code est sur GitHub, donc vous pourrez, tout ce que vous allez voir là, c'est déjà en ligne, vous pouvez aller le récupérer après sans souci, c'est pas grave si vous loupez des morceaux, comme c'est 15 minutes, c'est court, je vais devoir aller assez vite sur certaines parties, donc vous inquiétez pas sur la partie code. Alors aujourd'hui, grosse architecture hyper complexe, on va avoir un piano en USB, voilà, c'est ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un clavier master, c'est juste un bout de plastique avec un truc USB. Hein. Il n'y a rien de magique dedans, c'est juste ça envoie des touches, c'est complètement digital, c'est pas analogique. On récupère ça en USB avec un protocole qui s'appelle MIDI, que je vais vous montrer. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'alimentation, c'est tout petit, c'est léger, ça rentre dans le sac, c'est vraiment tout petit, c'est très utilisable et très léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, donc évidemment, à notre ordi en USB, et on va communiquer avec lui en MIDI. MIDI, c'est un protocole, c'est Musical Instrument Digital Interface, c'est un vieux protocole qui a presque 30 ans, et qui marche très bien, qui est très très simple, vous allez voir comment on l'utilise. On va récupérer ça dans un script Ruby, parce qu'historiquement on fait du Ruby et j'adore Ruby et je me suis dit pourquoi pas le faire en Ruby. Je pense qu'il y a d'autres langages qui gèrent ça, là, même des dizaines c'est sûr. Mais on va récupérer en fait ces entrées MIDI, donc les notes qui vont entrer dans notre ordi. Et pour cet exemple là, je vais moi juste générer des commandes système. Donc c'est très large comme use case, hein, c'est pas un software spécifique, c'est juste un use case qui nous permet de lancer des builds, vous allez voir, pas mal de choses qui peuvent être assez marrantes. N'importe quelle commande système qui pourrait vous intéresser. En gros, voilà, si vous faites... Qui c'est qui fait de la musique rapidement dans la salle ou qui est un peu avancé? Ah ouais, quand même, oh, ok. Vous êtes sûrement meilleur que moi alors, il y a pas mal de monde. Je suis pas un musicien, je suis pas un expert. J'ai fait la guitare pendant un certain moment, je me suis mis au piano et j'aime ça. Et j'apprends. Mais globalement, si vous faites pas de musique, il y a 26 combos assez simples à gérer sur un piano. Les notes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les dièses, il y en a 5, et après les accords, majeur, mineur, en gros, c'est, on veut faire très très simple, à une main vous pouvez faire tout ça assez facilement, et de manière assez, de mémoriser ça en fait très rapidement. Donc ça fait déjà 26 possibilités de raccourcis pour être créatif. Donc comment ça se passe au niveau du code? Donc pour ceux qui ont fait de Ruby, c'est pas grave, je pense que ce code là il est à peu près compréhensible par tout le monde. Il y a une espèce de loop, donc déjà en haut je vais récupérer un input en MIDI. Donc ça, ça m'est donné avec une librairie Ruby qui me permet de trouver toutes les interfaces MIDI de mon ordinateur. Je peux en avoir plusieurs, là j'en ai qu'une. Et ça me permet de récupérer mon input, faire une espèce de loop, c'est comme un réacteur qui écoute des événements. Vous voyez la loop à l'intérieur de MIDI using do. Donc en fait c'est un bloc, c'est une DSL en Ruby, tout ça c'est bloquant.
Quand je lance le script, c'est bloquant. C'est à coup des événements. Donc, j'ai compressé le code. Enfin, dans le receive, à chaque fois, il y a du code. Mais on va le voir après. C'est juste que vous voyez les différents types d'événements que je peux récupérer. Et en gros, en MIDI, je vais pouvoir récupérer des choses très simples, avec des noms très clairs, control change, note, pitch bend, etc. Donc, c'est vraiment très lisible. En tout cas, cette librairie Ruby permet de le faire très facilement. Et je me suis dit, bon, à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Donc, je vais switcher en mode démo. Je vais vous montrer comment je récupère les inputs, quels sont les types de paramètres que vous pouvez récupérer. Donc là, je vais passer sur mon terminal. Alors, c'est très simple. C'est un script Ruby qui se lance en ligne de commande comme à peu près n'importe quel autre script. Et quand je le lance, alors, il m'a détecté, vous voyez, donc c'est bloquant. C'est comme un serveur web, en fait. C'est bloquant et vous voyez qu'il m'a détecté une interface MIDI. Donc parce que je fais un put de toutes les interfaces récupérées, là j'en ai une. Ce que je vais faire, c'est que si je fais une note, alors je vais juste revenir un poil en arrière et le lancer en mode debug, comme ça, ça va pas me lancer des commandes et juste montrer les notes, sinon ça va être chiant, ça va switcher les trucs. Alors là, si je fais un do, alors attendez, on va relancer ça. Ok. Trouve-moi mon petit input MIDI, s'il te plaît. Ah ok, c'est GarageBand qui n'est pas content. Hop. C'est la démo, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, l'avantage de MIDI ou l'inconvénient, je ne sais pas trop, c'est que plusieurs softwares techniquement peuvent... utiliser le même input en fait, et donc je suis pas un spécialiste et j'apprends beaucoup en ce moment sur ça, donc c'est assez marrant. Donc du coup, il peut y avoir des interférences entre deux softwares qui utilisent le même device, c'est possible. Voilà, cool. Bon, là je fais un do et vous voyez, alors le gros bloc data, donc 60 et 85, après il y a un channel, il y a une note, il y a le note name, donc c'est un do dans une notation internationale. Vous avez la vélocité. Donc la vélocité, c'est si j'appuie plus ou moins fort. Si vous gardez l'œil sur velocity, là, je vais l'appuyer plusieurs fois, vous allez voir que ça va changer. Et là, c'est 81, 85, des fois 100 si je suis un peu vénère. Hop. Donc c'est plus j'appuie fort, plus j'ai une vélocité. Donc ça peut être intéressant, même pour détecter des patterns chez un développeur, est-ce qu'il est énervé ou pas quand il déploie. C'est une ouverture. Vous avez vu sur mon petit clavier, alors celui-là c'est vraiment bas de gamme, enfin c'est 50 euros, c'est début de gamme, c'est très bien, ça marche très bien. J'ai un petit, vous voyez, j'ai une petite molette et vous voyez qu'il y a une valeur qui change, 60, et ça va jusqu'à 127. C'est pas pour rien, parce que le protocole MIDI va de 0 à 127, parce que historiquement c'était codé sur 8 bits, si je dis pas de bêtises, et que du coup ils ont, avec un bit de contrôle, du coup ils ont eu cette limitation. Ce qui fait que vous récupérez un truc de 0 à 127, point barre, quoi. Donc après, à partir de là, vous faites ce que vous voulez. C'est assez cool. Donc là, je tourne et vous voyez que ça change la valeur. J'ai aussi un pitch. Le pitch, la particularité, c'est qu'il est à 64, donc à peu près au milieu. Et quand j'appuie, il va à 0 d'un côté, ou alors il va à 127 de l'autre. Vous voyez, c'est pour faire des effets, des moduler le son, genre un truc comme ça. Donc c'est ça qui se passe dans le monde de la musique. Dans le monde du dev, je sais pas, à vous de voir. Vous amusez avec. Donc voilà, ça c'est vraiment le debug. J'ai juste fait un output brut de ce que je récupère. Ensuite, donc ça c'est ce que je récupère. Si je vous montre maintenant la structure du code et rapidement, parce que c'est juste, encore une fois, c'est un lightning talk, on va finir dans 5 minutes, donc je vais vous montrer la structure générale et comment vous pouvez jouer avec. Vous avez une boucle principale que vous avez vue rapidement tout à l'heure, qui est ce receive. Donc dedans, j'avais caché l'intérieur, mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque j'ai une note, je l'envoie dans une nouvelle classe. Vous voyez, ça c'est un peu comme mon routeur, hein, si on parle de MVC, ou j'en sais rien comment vous l'appelez, hein, le fait de faire du logiciel normal, enfin MVC ça veut un peu rien dire, mais en gros je vais juste balancer ça dans une autre classe qui s'appelle keyboard. Et dans keyboard, alors il y a un petit hack, c'est que j'ai dû faire un pré-mapping des notes, parce que ici et ici, en gros le do dièse, c'est aussi un ré bémol, d'accord? Bon, donc du coup le clavier, des fois, il envoie l'un ou l'autre selon que vous êtes positionné sur le clavier à une différente octave. C'est un peu les keywords, les musiciens comprennent tout à fait. Moi, je n'avais pas compris au début. J'ai vite compris qu'en fait, il fallait que je fasse ce petit hack de merde. Tant pis. Donc, du coup, on s'en fiche. Globalement, moi, je veux toujours avoir un do dièse, par exemple. Toujours. Ensuite, ici, j'ai fait des accords. Donc, ça, do majeur. D'accord. Et là, j'ai les trois notes correspondantes à mon do majeur. Pareil pour tous les accords. Et là, do mineur.
Et les trois notes correspondent dans mon do mineur, donc ça me fait toute la panoplie du mapping que moi j'aimerais utiliser aujourd'hui, les 26 accords simples dont je vous ai parlé, enfin les 26 combos, ils sont là. Et après, la partie intéressante, c'est que j'ai mappé des commandes. Par exemple, je vais ouvrir Sublime Text, Chrome, mon terminal, et par exemple, je veux faire Next Slide et Preview Slide avec certaines notes. Voilà, donc ça c'est mon mapping de méthodes avec mes accords. Et j'ai une toute dernière classe qui s'appelle Order, qui là contient toutes mes fameuses méthodes, Sublime, iTerm, etc. Et là, je fais de l'Apple Script. Why not, hein, hop, je lance des commandes système. C'est du Ruby, mais je pense que vous allez, c'est à peu près lisible. Hein. Ça veut dire juste lancer une commande système. Donc c'est comme si dans mon terminal, je lançais ça. Je vais aller un peu vite. Alors hop, je vais vous montrer quand même que je ne vous dis pas des mythos. Hop, voilà, j'ouvre mon... Donc là, je suis là. Enfin, donc là, je passe sur mon terminal, je passe sur Chrome, je passe sur Sublime, et... J'ai d'autres trucs ou pas chelou? Oui, là je vais sur ma home, là je vais sur mon dossier home dans mon Finder. Genre j'y vais tous les jours, j'en ai marre de faire des choses cheloues pour ouvrir mon home. Voilà, donc j'ai une note. Là c'est mon dossier download. Et là je sais pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, c'était juste. Ça c'est vraiment du switch basique, visuel et simple à comprendre. Mais j'ai aussi des scripts pour faire des gulp build pour ceux qui font du front et tout ça. J'ai mon déploiement en test et en prod avec des accords. Alors astuce. Quand vous avez deux notes pour déployer en test et en prod, mettez-les éloignées. True story. Bon, je vais clôturer rapidement. J'espère que c'était assez clair, en tout cas, ce que vous avez vu et vous avez compris l'ensemble. Le code, il est dispo, évidemment, sans souci. Donc, les usages possibles. Build, déploiement, switch, l'édition d'images. Pourquoi pas mapper des raccourcis sur Photoshop au lieu d'aller chercher des sliders de merde en haut à droite dans l'interface. Je veux dire, il y a plein de moyens de mapper des raccourcis beaucoup plus intelligents avec ça. Le matériel, je vous fais une overview rapide. Moi, j'ai celui du milieu, là, le 32 touches. Il y a aussi du 25 touches, un peu plus petit encore. Peut-être plus pratique. Je vais peut-être toucher sur encore plus petit parce que j'ai pas besoin d'avoir 32 touches. Vous avez les liens, c'est pas des liens sponsorisés. Hein. Je vais rien gagner si vous l'achetez par là. Donc, bon, ça, à peu près 50 euros. Vous avez des modèles un peu au-dessus. J'aime bien au niveau qualité. La marque Allez-y est pas mal du tout, je trouve. Sauf que c'était un peu plus cher et je m'étais dit que j'avais pas envie d'aller plus loin que ça. Mais j'en ai un bon, à la maison, j'ai un Allez-y de 61 touches grand. C'est une très bonne marque, une bonne qualité, je trouve, enfin, pour en entrée de gamme. Et puis, donc voilà, le niveau matériel, vous êtes servi. Qui connaît ça? Cool. Personne ne connaît. Le Rolly Seaboard, un piano que j'appellerai en trois dimensions, si je dois la faire très rapide, et je vais aller très vite pour clôturer le Lightning qui va finir bientôt. C'est un clavier, un piano. Quand je dis en trois dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur les notes plus ou moins fort et vous allez jouer avec le bend. Vous savez ce que vous avez vu tout à l'heure avec le bend et le pitch, qui fait que vous pouvez moduler une note pendant qu'elle est jouée. Sur un piano normal, vous l'avez au pied. Vous avez des pédales qui vont vous permettre de simuler ce genre de choses. Mais là, c'est carrément intégré dedans, c'est magnifique, regardez les vidéos. Et ça m'a beaucoup inspiré à me dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas être une interface de contrôle finalement hyper avancée pour nos ordi? Allez voir les vidéos, c'est vraiment super. Une petite app, là je vous montre l'ouverture de réfléchir à deux fois à nos outils et notamment à notre hardware d'outillage. On parle beaucoup du software, mais au niveau hardware, on peut vraiment progresser, je pense, notamment avec ce genre de choses, parce que c'est très simple, c'est universel, c'est compréhensible et c'est visible. Et il y a des petites apps qui vous permettent de brancher, par exemple, quand vous avez des téléphones un peu grands comme ce truc-là, eh bien, en fait, vous avez quand même une interface qui est grande avec laquelle vous pouvez jouer. Et si vous faites des actions régulières, pourquoi pas mapper une app avec des commandes que vous faites de manière répétitive sur votre ordi sans switcher d'application. Bon, c'est une ouverture, cette app est pas mal du tout. Et merci BDX, je viens d'ajouter ce slide tout à l'heure, j'ai parlé avec un mec il y a une heure en bas qui m'a dit « Ouais, j'ai un copain qui utilise des entrées MIDI pour jouer avec Lightroom. » Donc, édition photo, c'est un photographe professionnel qui fait de l'édition photo en masse et qui a mappé des presets dans Lightroom, donc la luminosité, tout ce que vous pouvez imaginer pour l'édition photo. Il les a mappés avec un boîtier MIDI à gauche. Ça, c'est juste un boîtier MIDI, hein. C'est pas un piano, mais c'est une autre forme de boîtier. Où il a mis juste en fait des potters pour pouvoir tourner des molettes et donc des sliders plus facilement. Génial. Je trouvais ça super génial. Donc ça, j'y crois beaucoup, je pense, en néo-productivité pour des professionnels, pour des applis métiers. Vim, j'ai vu un mec qui a fait une pédale Vim, génial, pour passer du mode insertion au mode édition. Il switch avec le pied, je trouve ça vraiment magnifique. Autre idée de hardware, étendre votre environnement de travail, votre tooling. Je pense que ça doit être vraiment bien, en vrai, pour ceux qui font du... Et puis, MacBook Pro 2016, je ne sais pas s'il y en a qui suivent un peu les rumeurs, qu'éventuellement il y aurait un truc OLED en haut du clavier, et j'aimerais, si c'est vrai, tant mieux, s'ils font une API par-dessus, en plus Apple, avec laquelle on pourrait interagir pour dynamiquement changer notre
comment dire, notre mapping de touches sur cette fameuse bande OLED qui serait tactile. Ça serait génial. On aurait un autre outil qui serait mieux que notre touche classique, je pense. Je ne sais pas du tout. On verra comment ça va sortir. Mais en tout cas, on va pouvoir hacker quelques trucs marrants. Voilà. Bon, je clôture rapidement. Vous avez mon email, mon Twitter, le code. Donc, c'est RubyBoard hein, sur le GitHub. Et puis, voilà, on est à Paris. On recherche du développeur à Paris. Surtout sur notre super stack. Voilà, on a une stack assez simple. On fait du Rails, on fait de l'Android et de l'iOS natif. On fait du Unity 2D aussi, un peu de vidéo. Et plein d'autres cool. Donc, si vous voulez en parler, ou si vous intéressez, vous me dites. En remote aussi. Et puis, voilà. Merci. C'est fini. Si vous avez peut-être des petites questions, je ne sais pas. Vous avez faim, là, je pense. En tout cas, venez me voir tout à l'heure. Je serai dans le coin et on peut en discuter.